quand même qu'avec le soleil, les bonnes nouvelles arrivent. Le bon temps, d'ailleurs, n'étant pas favorable au virus, comme tout le monde le sait. On va donc commencer cette séance par le premier point, qui est l'approbation du PV de la séance du 27 avril 2021. Nous sommes souhaité la bienvenue aux spectateurs assidus de ce conseil communal. Conseil communal à toi, Marie. Oui, du 27 avril. Le conseiller communal Marc Brusquin est excusé. PV du 29 mars 2021. Il est donné lecture du PV qui est approuvé par 16 oui. Il est apporté les remarques suivantes sur le PV du mois de mars. La conseillère communale Marielle Remy informe qu'elle a sollicité la pose d'un panneau à Velin indiquant ici les enfants jouent. La conseillère communale Véronique Charneux a proposé de diffuser le montant des amendes qui sont imposées en cas de dépôt sauvage, ainsi que l'information sur la stérilisation des chats via la nouvelle association. Elle a également proposé pour le projet Surpierreux de diminuer la zone de loisirs pour créer plus de parties. Il est ensuite donné lecture des décisions de tutelle. Point numéro 3, compte communal 2020. Le compte communal est approuvé à l'unanimité tel que présenté. Après la présentation détaillée par la directrice financière, Séverine Guissard, les propos suivants sont échangés. La conseillère communale, Marielle Remy, demande ce que représente la différence d'environ 77 000 euros en ce qui concerne le personnel communal. La directrice financière répond que la statutarisation des agents et l'indexation sont intervenues un peu plus tard que prévu et il y a eu moins d'engagement d'accueillante. La conseillère poursuit en demandant le montant des compensations régionales dans le cadre du Covid. La DF répond qu'en 2020, la taxe kayak a été concernée par la mesure, environ 3 000 euros. Le syndic des finances, Simon Abran, ajoute que la redevance sur le marché, environ 15 000 euros, est concernée par la compensation. La commune de Hotton ne laisse pas beaucoup de taxes visées par le projet, elle n'est donc pas éligible. La conseillère Marielle Romy note l'augmentation du montant perçu par Fait d'asile et rappelle la demande pour une route plus sécurisée. Elle demande également quels terrains n'ont pas été vendus, mais prévus au budget. La DF répond qu'il a été espéré vendre les trois terrains rue de la Syrie, mais vu le Covid, il est compliqué de réunir les habitants du quartier pour la signature. Le dossier est toujours entre les mains du CAI. La conseillère remarque qu'il reste 30 000 euros non payés pour la prime au commerce. Il est répondu qu'il s'agit de chèques octroyés aux citoyens. Tous n'ont pas été utilisés. L'échevin Jean-François Dewey ajoute que les chèques rendus au syndicat d'initiative sont rapidement remboursés aux commerçants, même en cas de retard. La conseillère communale, Cindy Wilmet, demande le coût total pour la salle d'Anto. La directrice financière répond qu'elle fera le calcul des réceptions des dernières factures à fournir par les entreprises. En conclusion, la conseillère Marielle Remy est agréablement surprise du résultat du compte malgré la situation vu le Covid. Le travail a bien été exécuté. Son groupe est satisfait de la gestion 2020. L'échevin Simon Abran fait le constat de cette année bien compliquée. Parfois, il a été fait un pas en avant et puis en arrière. Il a fallu s'adapter à une situation inédite. La perte due au Covid est de 209 000 euros. La commune a fait ce qu'elle pouvait pour soutenir le secteur qui en avait le plus besoin. Le bonnet du compte semble important, mais il ne faut pas avoir trop d'enthousiasme car les effets indirects de la crise vont seulement avoir un impact dans les prochaines années. L'échevin fait ensuite le point sur les différents postes bouclés. Le point suivant est le marché d'installation de systèmes d'épuration pour les salles communales de Werpa et de Menil. Et le point est adopté à l'unanimité pour le cahier des charges et l'estimation de 20 000 euros. Le conseil communal décide également à l'unanimité de prendre acte de la décision du collège d'acheter un véhicule utilitaire neuf avec une benne basculante. Marché de travaux d'aménagement de la rue Chavé, le conseil communal décide à l'unanimité d'approuver le cahier des charges, montant estimé à 2 365 000 euros hors TVA. La conseillère communale, Nathalie Mortini, estime qu'il n'y a pas d'informations sur les travaux en taux et donc sur la fermeture de la rue de la Roche. L'échevin des travaux, Guy Ponsard, répond que cette semaine, il a été proposé par l'entreprise d'enlever un poteau d'éclairage et ainsi de gagner 2 semaines sur la fermeture qui devrait intervenir mi-mai. L'information sera donnée le plus rapidement possible, mais il est difficile d'obtenir les dates exactes suivant l'évolution du chantier. Le bourgmestre Jacques Chapelet rappelle que c'est l'entreprise qui donne le tempo.
une fois le timing donné par l'entreprise, la diffusion de l'information va très vite. La conseillère communale Marielle Romy déplore le manque de proactivité et de communication du collège vers la population. Il y a obligation d'informer des déviations en temps utile. Le bourgmestre Jacques Chapier répond qu'il faut éviter de donner des informations qui ne sont pas correctes. Le chantier évolue tout le temps. Par ailleurs, une bonne nouvelle pour la mobilité est le fait que les travaux d'Amplou et de Hauton n'auront pas lieu en même temps. Un travail en profondeur est fait avec les entreprises pour raccourcir au maximum les désagréments liés aux travaux. Le point suivant, ce PCDR, aménagement de la rue Chavet, approbation de la convention. Le conseil communal décide à l'unanimité d'approuver le programme financier du projet. Il approuve donc également le projet de convention réalisation 2021. Le point suivant est de l'urbanisme. Le conseil communal décide à l'unanimité du principe d'élaborer une révision du schéma d'orientation locale, anciennement schéma directeur des Rieux-Hautons, en vue de mettre en œuvre la zone d'aménagement communal concertée. Le conseil marque son accord sur le nouveau périmètre proposé. Mise en location d'un bien immobilier à Amptau, le conseil communal décide à l'unanimité d'approuver le contrat de bail pour la location d'un bâtiment situé rue de la Roche à Amptau pour un montant de 200 euros par mois, hors charge à la SBL Miroir Vagabond pour une durée de 5 mois. Toujours mise en location d'un bâtiment, le conseil communal décide par 5 oui et 11 abstentions. Les échevins et conseillers communaux Doué à Brand de Bâti, Courard, Wilmay, Morny, Renou, Charmeuse, Orati, Lamotte et Georges, dont la motivation sera citée plus tard. Donc, mais in fine, le conseil communal décide d'approuver le contrat de bail pour la location d'un bâtiment situé rue Simon numéro 27 pour un montant de 700 euros par mois hors charge pour une durée d'un an prolongeable. Le bourgmestre Jacques Chapier reprend l'historique des tentatives de mise en location du bâtiment. In fine, une seule candidature, et pour du logement uniquement, a pu aboutir. Il s'agit d'une famille congolaise qui s'est installée à la fin des vacances de Pâques dans le bâtiment afin de permettre la rentrée scolaire de cet enfant. L'échange Jean-François Doué informe que son groupe va s'abstenir car le souhait était de faire un logement tremplin pour lequel il existe une forte demande. Par ailleurs, il estime que le bâtiment n'est pas adapté pour une famille de 9 personnes. Il vaudrait mieux une maison plus grande. Le bourgmestre Jacques Chapier répond que le logement tremplin est destiné à de jeunes couples. Le volume du bâtiment est donc trop important pour en faire deux appartements. Cela exigerait de gros investissements sans subsides. Le projet tremplin est bien à retenir. Il y en aura un avant la fin du mandat. Mais ici, il y a un côté humanitaire. La conseillère communale Catherine Zorati estime également que le bâtiment n'est pas adapté à une famille. L'intérieur est vétuste et mal isolé, cher en chauffage. Est-il prévu des travaux? La conseillère communale Marielle Romy ajoute qu'il est compliqué de prendre position alors que les gens sont installés. Personne ne va les mettre dehors. Par contre, elle émet une réserve en matière de salubrité et de sécurité. Est-ce le rôle de la commune de faire agence immobilière? Les lieux auraient pu être occupés pour de l'associatif ou du culturel. Le bourgmestre Jacques Chapier répond qu'il n'y a pas de problème de salubrité. Les normes de la région wallonne en matière de logement sont respectées. On verra l'usage au niveau de l'isolement. Il y avait surtout urgence pour cette famille. Le conseiller communal Philippe Courard informe que son groupe s'abstient pour ne pas mettre en difficulté la famille. Ce dossier doit faire l'objet d'une attention, y compris pour un éventuel logement. La présidente de CPS, Madame Ben, informe que son groupe est favorable à la création d'un logement tremplin. L'étude est en cours, mais le Covid a empêché la mise en œuvre concrète du projet. Les choix des travaux en penseur rappelle que des travaux ont été faits dans le bâtiment. Isolation du plancher au rez-de-chaussée, drain posé en extérieur afin de diminuer l'humidité, nouvelle salle de bain, convecteur et conduite de gaz remis à neuf. La conseillère communale Martine Schmitt estime l'attitude de M. Courard lamentable car ici, il y a une dimension humaine. Chacun peut avoir son opinion, y compris au sein d'un collège, et a le droit de s'exprimer. Le conseiller communal Philippe Courard répond que la politique du collège n'est pas claire. Quelle est la ligne de conduite? Il est répondu que chacun a le droit d'avoir un avis différent. Octroi d'une prime COVID-2019, le Conseil communal décide à l'unanimité d'octroyer une prime unique de soutien en faveur des personnes exerçant une activité d'indépendant ou commerçant, mais à titre complémentaire. Club de football de Melreux, le Conseil communal décide
de lui accorder un subside de 250 euros en vue de la création d'une section en défaut. Le Conseil communal marque son accord à l'unanimité sur l'octroi d'une dispense de service aux membres du personnel dans le cadre de la vaccination. Tutelle spéciale sur certains actes du CPS, le Conseil communal décide à l'unanimité d'approuver la délibération du CPS, octroyant également une dispense de service aux membres de son personnel pour la vaccination. Tutelle sur les fabriques d'églises, le Conseil communal décide à l'unanimité d'approuver le compte 2020 de la fabrique de Nîmes. On passe ensuite aux questions-réponses. La conseillère communale Véronique Charneux a remarqué que le collège souhaite faire un partenariat pour un agent constatateur avec la commune de Durbuy. Les deux agents communaux qui devaient se former ne sont pas suffisants, demande-t-elle. Le bourgmestre Jacques Chapier répond que la commune de Durbuy n'a pas pu répondre favorablement à la proposition. Le dossier est en cours, tout le monde sera informé du suivi. L'échevin Jean-François Doré informe que la formation a été stoppée à cause du Covid. La conseillère communale Véronique Charneux demande si les chefs commerces ont du succès et demande l'évaluation du projet. L'échevin Jean-François Doué répond qu'un toute boîte est en préparation. C'est tardif, mais pas plus mal par rapport à l'ouverture prochaine de l'Orica. Le conseiller communal Philippe Courard a été interpellé suite à des travaux à Marennes le long de l'église où des bacs ont été démolis. Ils font partie du petit patrimoine rural. Sont-ils en rénovation? L'échevin du conseil répond qu'il s'agissait de bacs en bloc et béton sans valeur. Pour ramener de l'eau dans les fontaines, il fallait faire des travaux et poser de nouvelles conduites et canalisations sur 350 mètres. Cela n'a pas été facile de trouver où se raccorder. L'eau va pouvoir à nouveau s'écouler dans les bacs, ce qui est une demande des citoyens. Tout sera refait en pierre avec également un pavage en autobloquant. Ce sera mieux. Le conseiller communal Philippe Courard estime que le problème est d'avoir ignoré l'avis de la population. Le minimum est d'en parler. Cette manière de procéder est cavalière. L'échevin du conseil répond que beaucoup de gens sont venus voir ce que le service travaux faisait dans les champs et ils étaient satisfaits du suivi. Ce dossier date de 2006 et rien n'a jamais été fait. La conseillère communale Nathalie Morny signale que le Plaza a décidé de faire une action ce week-end en soutien au monde culturel en ouvrant le cinéma. Elle espère le soutien du collège à la culture et que l'action pourra avoir lieu. Le bourgmestre Jacques Chapier informe que le collège se réunit jeudi. Le sujet sera abordé. En ce qui concerne la zone de police, il a été dit que les règles en vigueur seront respectées. L'action du bourgmestre a des limites. C'est le procureur du roi qui prendra les décisions. Il comprend néanmoins les gestionnaires et a confiance en ces personnes. L'échevin de la culture, Simon Adran, comprend la détresse du monde culturel comme d'autres. Sa conscience est partagée. Il donne son soutien, mais il faut rester prudent face à la pandémie. Les hôpitaux sont toujours occupés. Cependant, il s'agit d'une action illégale, ce qui est dérangeant. En effet, tous les membres du conseil communal ont prêté le serment de respecter la légalité. La conseillère communale Nathalie Morny n'a pas demandé à ne pas respecter la loi. Le discours soutenant de la majorité est une bonne chose. Elle n'appelle pas à l'irrespect des contraintes en vigueur. La conseillère communale Nathalie Morny souhaite connaître le suivi des rencontres avec l'effronté. L'échevin Simon Abran répond qu'il y a eu deux rencontres, dont une avec les deux parties, l'effronté et le centre culturel. Les échanges sont bons et de nouvelles réunions vont être organisées entre les deux ASBL sans le politique pour le volet purement culturel. C'est en bonne voie, on attendra le retour sur les propositions à développer. On passe ensuite au huis clos où il y a 5 nominations d'enseignants. Véronique Dupont, Céline Monceur, Manon Raz, Valérie Neve et Fatma Karani. Voilà, les commentaires. Non, comme j'ai déjà dit à Marie-France, donc je demande d'excuser Marielle Remy. Et voilà. Je ne savais pas. Je l'ignorais. Et je oui, mais je l'ai fait avant que vous n'arriviez. Désolée, j'ai fait un peu tôt. D'accord. Voilà, j'ai deux petites choses à ajouter. La première, c'est que la séance au cinéma Plaza s'est déroulée sans problème. Il y a eu un contrôle et il y a même eu un reportage d'un journaliste très connu à Auton dans l'avenir du Luxembourg, et tout s'est passé dans les règles que nous avions prescrites. Deuxième chose, vous avez sans doute remarqué que ça bougeait à la poste. En fait, la zone de police a commencé les travaux. Elle avait déjà fait un peu de travaux en aux abords avec de l'élagage. Elle est en train actuellement d'aménager l'intérieur. Il y
Il y aura aussi une rénovation de l'extérieur, des travaux d'isolation et la création d'une rampe pour les PMR. En principe, les travaux seront terminés fin de cette année, début de l'année prochaine. Je tiens à signaler qu'il y a 30 à 35 véhicules qui viendront prendre leur travail tous les jours, que la Poste n'avait réservé aucun emplacement de parking pour ses clients et que la zone de police a décidé de lui en laisser 3. Au sujet de la Poste, d'ailleurs, nous avons reçu une réponse à notre motion concernant nous avons répercuté l'appel de M. Courard pour installer une couverture pour les clients qui attendent dehors. Ouais, la Poste nous a répondu que ce n'était pas prévu dans son aménagement et qu'elle n'avait rien prévu dans ce sens-là. Et elle ne dispose pas non plus de beaucoup d'espace, puisque pratiquement tout l'espace dégagé entre la Poste actuelle et l'ancienne, tout le parking, toute la zone appartient à la zone de police. La Poste n'a rien réclamé. Voilà, deux informations que j'avais ajoutées. On peut passer au vote si vous le souhaitez. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. J'étais absent, donc abstention. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Saël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Deuxième point, communication des décisions de tutelle. Oui, et Marie. Vous prenez connaissance de l'arrêté du ministre des Pouvoirs locaux approuvant l'octroi d'une dispense de service au personnel communal pour la vaccination contre le COVID-19. Vaccination qui fonctionne bien d'ailleurs dans notre commune, puisque si le chiffre national, le Premier ministre a annoncé dimanche qu'il y avait 50% de Belges vaccinés, et à Auton, on est à 60% des personnes vaccinables qui sont vaccinées, donc des personnes de 18 à X années, enfin des plus jeunes, 18 ans à X années, en sachant qu'on n'a pas encore vraiment, qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment lancé la campagne vers les plus jeunes, les non-malades. Donc, les chiffres sont bons, il ne faut surtout pas relâcher et il faut convaincre les gens de se vacciner parce qu'il apparaît de plus en plus que c'est la seule porte de sortie fiable et aussi pour ceux qui auraient envie d'aller à l'étranger, que ce sera probablement une exigence dans le Corona Pass. Mais là, j'anticipe peut-être un peu puisque le Codeco n'a pas encore déterminé les conditions de l'octroi du Corona Pass. Alors, le point 3, c'est le budget communal avec la modification budgétaire de numéro 1-2021. Je pense que Jean-François est au taquet pour présenter ça. Oh, c'est gentil, je vais laisser Simon. Pardon ? C'est gentil, je vais laisser Simon. Je vais plutôt le faire moi-même, en principe. Attends, j'ai pas compris. Ah, tu as dit Jean-François au lieu de Simon, mais c'est pas grave. Ah non, Simon, pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Voilà. Je regarde déjà Jean-François. Non, comme d'habitude, donc cette première modification budgétaire pour l'année 2021 consiste principalement en une adaptation de certains articles, en tenant compte bien sûr de l'actualité de ce début d'année. Donc au service ordinaire, tout d'abord, on a un résultat à l'exercice propre qui présente un boni de 13 472,83 €. Et à l'exercice global, on a par contre un boni de 293 789,21 €. Le résultat du compte précédent, donc qu'on avait présenté le mois dernier, a bien sûr été intégré et cela n'est pas négligeable étant donné que ça nous donne des moyens financiers supplémentaires pour un total de 283 142,96 €. Au niveau des recettes de ce service ordinaire, nous avons réévalué les ventes de bois. Elles ont été réévaluées positivement puisqu'elles passent de 250 000 à 310 000 euros étant donné que les premières choses qui se sont passées ici au début d'année étaient plutôt positives, qui est une bonne chose. Nous avons intégré le subside de soutien au club sportif, donc un subside qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à hauteur de 34 160 €.
Alors, au niveau des locations de chasse, nous avons adapté les montants en fonction des nouvelles attributions. Et comme on devait un peu s'y attendre, ben celles-ci sont à la baisse, vu qu'on enregistre une diminution de 24 000 euros. Au niveau des dépenses maintenant, toujours pour ce service ordinaire, nous avons tout d'abord intégré un emploi étudiant dans le cadre du projet Welcome, ainsi qu'un mi-temps pour 6 mois dans le cadre du projet POLEC, donc qui est financé en partie par la provision qui avait été constituée grâce au subside du même nom. Au niveau du centre culturel, donc la subvention initiale qui avait été prévue pour le centre culturel était de 40 000 euros, ce qui correspondait au plan d'échelonnement qui nous avait été donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles lorsqu'on avait approuvé le nouveau contrat programme. Mais on a reçu un courrier récemment, enfin il y a déjà un petit temps maintenant, qui nous disait que la fédération avait pris la décision d'arriver dès cette année au montant plafond, donc avec 2 années d'avance. Et donc, pour pouvoir bénéficier de cette subvention, la commune devait également s'aligner. Donc, on est passé d'une subvention de 40 000 à une subvention de 50 000 euros dès cette année 2021. Au niveau de la dotation au CPS, celle-ci a également été augmentée de 39 725 euros et 61 centimes. Ceci afin de répondre aux besoins des services. Donc, le nouveau montant de la dotation communale est de 736 770 euros et 45 centimes. Au niveau des emprunts, la charge a été diminuée d'environ 60 000 euros en fonction des révisions, parfois du retard de certaines consolidations, mais aussi de la diminution de certains taux. Donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant au niveau de la gestion de la dette. Et pour ce qui est du fonds de réserve ordinaire, on prévoit un solde à la clôture de 15 000 euros, alors que les différentes provisions constituées s'élèveraient, elles, à un total de 387 400 euros. J'arrive maintenant au service extraordinaire. Donc, à ce service, le budget est à l'équilibre pour un montant total de 6 664 041 euros et 74 centimes. Nous avons quelques nouveaux projets qui ont été intégrés. Tout d'abord, le projet POLEC pour l'installation de bornes de voitures électriques. C'est un projet d'un 70 000 euros, dont 50 000 euros sont subsidiés. Nous avons envisagé le placement d'un parlophone à l'entrée de la commune pour un montant de 3 500 euros, l'achat d'une parcelle en taux également pour 3 500 euros, l'achat d'un véhicule avec benne basculante, dont on avait parlé dans le PV qu'on vient de relire, pour 35 000 euros, l'achat de radars préventifs pour un montant de 5 000 euros, un budget alloué aussi pour l'entretien des étangs des Sars d'un montant de 10 000 euros, le placement d'un nouveau chalet à Erneville, donc chalet de chasse pour 3 500 euros, enfin de chasse ou pour les travaux forestiers plutôt. Le remplacement du bois l'air du centre culturel, un budget de 6 500 euros est prévu. On a également un subside extraordinaire à Riveo pour 1 345 euros, ainsi qu'un subside de football de Bourdon pour le rafraîchissement de la buvette de 5 000 euros. À côté de ces nouveaux projets, d'autres projets ont également dû être réévalués. Le remplacement du serveur, on a estimé que le budget initialement prévu était un peu insuffisant, donc on l'a rallongé de 20 000 euros pour l'amener à 60 000. Au niveau des trottoirs de la jonction, on a une augmentation de 15 000 euros. De même pour les trottoirs de la rue Émile Barfondry, une augmentation de 10 000 euros. Par contre, au niveau de la rue Haute, pour l'installation de la basse tension et du nouveau coffret électrique, on a là une diminution de 20 000 euros. Au niveau des fonds, donc en plus de 250 000 euros qui avaient déjà été prévus lors du budget initial, 100 000 euros supplémentaires ont été prélevés sur l'ordinaire pour alimenter les fonds de réserve extraordinaires, ce qui nous permet de financer certaines de nos dépenses sans pour autant devoir faire recours à des emprunts et donc alourdir la charge de la dette. Au niveau des soldes de ces fonds, donc les soldes de fonds de réserve extraordinaires du fonds de réserve extraordinaire à la clôture seraient de 73 837 euros et 30 centimes. Et pour ce qui est des différents fonds spécifiques que nous avions créés, donc le fonds digitalisation, le fonds POLEC, le fonds donné du subside d'OPN et le fonds du PIC, ceux-ci seraient intégralement utilisés cette année comme c'est prévu comme c'est prévu dans le cadre des subsides. Donc voilà, finalement, on est toujours dans une année compliquée avec la crise que l'on connaît. Parce que malgré tout, la situation, on la maintient sous contrôle. On a fait les petits gestes qu'il fallait, on continue à le faire. Je pense que cette MNB, malgré tout, reste équilibrée. Donc voilà, je voudrais remercier la receveuse et toutes les personnes des différents services qui ont participé à la réalisation de cette modification budgétaire. Merci à tous pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà,
On peut passer aux commentaires si vous le souhaitez. Il n'y a pas de commentaire peut-être particulier. A priori, évidemment, nous n'avons pas de commentaires. Donc, voilà, je me retourne vers mes colistiers, mais je pense que, voilà, nous sommes tout à fait satisfaits. Nous allons voter oui et voilà. On peut critiquer quand on le fait régulièrement, quand on juge que c'est nécessaire, mais on peut reconnaître aussi et voilà, nous votons oui sans problème. Oui, si je peux prendre la parole, Jacques, peut-être préciser. Simon a parlé d'augmentation sur différents projets. Au mois de mai, on a pu attribuer les travaux suivants. Il y a le Ravel de Deux-Lins qui était budgétisé. Donc, c'est la partie qui va rejoindre la passerelle et entre le nouveau Ravel qui a été fait il y a un an et demi, deux ans, plus ou moins. Donc là, pour votre information, c'est l'entreprise de mer qui a eu le travail pour 375 000 euros et on avait budgétisé 385 000. Donc là, on est 10 000 en dessous de l'estimation. Il y a la création de 46 nouveaux emplacements au parking de l'Astrée. Là, c'est attribué à l'entreprise Panache 98 000 euros. Attribution également des trottoirs, une partie des trottoirs de la rue Émile Parfondry, là c'est attribué pour 54 000. La rue, les trottoirs de la jonction, donc c'est vraiment en face de l'entrée du magasin Le Carrefour. Là c'est attribué à Damien et Fils pour 88 000. Il y a la rénovation du calvaire à Malreux également qui va être attribuée, et là on a le subside patrimoine. Nous attendons avec impatience et on l'aura au collège de jeudi pour attribuer la nouvelle plaine de jeu de sur l'ONU. Pardon. Voilà, donc ce mois-ci, on a attribué 6 projets. Donc, on voit les augmentations qui sont en modification budgétaire, elles sont un peu plus élevées, à peu près de 10%. On est 10% en dessous de ça. Voilà, c'était juste pour votre info. En ce qui concerne la plaine de jeu, justement, on a déjà un petit peu des perspectives de délai pour cet aménagement, ce réaménagement de la plaine de jeu. Mais je ne vais rien dire maintenant parce qu'on l'attribue seulement jeudi au collège, donc ce sera après le collège qu'on pourra en discuter. Mais oui, mais je vais dire en mois, c'est plutôt 6 mois, c'est plutôt un an. Non, on espère le pouvoir faire cette année-ci, mais les entreprises nous disent que pour avoir les matériaux maintenant, ça devient très compliqué. Et même si on passe commande, je vais dire vendredi, ce sera au moins 12 semaines de délai pour avoir les marchandises. Donc, il faut le temps d'attribuer. Voilà, à mon avis, je pense que les travaux seront plutôt fin septembre, quelque chose comme ça. D'accord, merci. Ok, on passe donc au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Voilà, merci Guy pour la précision. C'est à moi. Oui, Guy, oui. Ça disait merci Guy pour la précision et votre soutien à tous pour cet MB. Et c'est oui, bien sûr. Oui, ben ça tient la route. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Merci évidemment au personnel, à la receveur et aussi au personnel de la compta pour le suivi, mais aussi à l'échevin des travaux, aux échevins, etc. C'est effectivement une belle modification budgétaire. Octroi d'une subvention au ménage, prime de naissance, une modification. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de réharmoniser un peu ce qui existe au niveau de la prime de naissance à partir du 1er juin 2021 et donc d'offrir un montant unique de 100 euros pour chaque enfant, que ce soit le premier, le deuxième ou les suivants. Donc, ceci serait offert sous forme numéraire pour une partie, donc 50 euros qui seraient versés sur le compte des parents, ou de l'un des parents, donc selon les cas, et 50 euros également sous forme de chèque commerce, sous la même formule que ce que nous avons toujours proposé, soit 5 chèques qui sont accessibles pour l'ensemble des commerces participants, et 5 chèques qui sont pour tous les commerces, sauf les 3 grandes surfaces du territoire. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut évidemment que le ménage
où la maman soit domiciliée dans la commune et réside effectivement au moment de la naissance. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ceci. Remarques. On peut passer, pardon. Maintenant, de nouveau, remarques positives hein, quant à cette harmonisation, enfin, c'est 100 euros pour tous les enfants. OK, et, voilà. On peut passer au vote. Donc, Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Octroi d'un subside en numéraire au club sportif, point 5. Voilà, donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer un subside au club sportif en vue de couvrir les frais d'achat de matériel qui a été nécessaire pour la reprise du sport donc entre le 5 mai et le 2 février 2021. Les factures ont d'ores et déjà été envoyées à la commune et donc le montant total de ce subside, c'est 875,84 €. Je peux voter moi-même en représentant les petits futés, il n'y a pas de souci. Ben, c'est une question, oui. Moi, je me suis posé effectivement la question, mais voilà, je ne sais pas. Si Marie-France dit oui, on suppose que tu peux. Sauf si tu votes non, tu n'en veux pas. Non, bah non, je comptais voter oui, mais voilà. je ne connais pas bien la SBN, tu es la présidente ou... Non. Je pense que ça peut aller, que ce n'est pas la première fois. Ok, ben voilà. Okay. Bah, Nathalie, oui. On passe au vote, oui. Allez-y. Donc Cindy, Nathalie, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, ben, je ne vote pas vu que je suis président du football de Malrue, alors. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Merci pour les clubs. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Le point 6, c'est travaux de réaménagement de points lumineux rue de la Chavée à Opto, délégation de mission à Aurès. Oui, donc ici, ça fait partie du cadre qu'on a voté au dernier conseil de réaménagement de la rue de la Chavée. Donc ici, l'idée, c'est qu'on doit rénover notre éclairage public jusque, on a 10 ans pour le faire, jusque 2029. Une grosse partie de la Chavée et d'Opto, d'ailleurs, a déjà été faite. Et alors, on avait gardé ces 11 points lumineux là qui sont dans le fond, tout près de l'école, à l'entrée de la rue Chavée. Ceux-là n'avaient pas été faits parce que l'idée, c'était d'enfuir les câbles et de remettre de nouveaux candélabres quand on fera les travaux de l'aménagement de la Chavée. Donc, le montant pour le remplacement est de 16 500 € TVA comprise. Voilà. OK, on passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Point 7, avenant au marché de concession gestion de l'espace cinéma de la commune de Hotton. Voilà, ben, toujours dans le cadre donc, de la crise Covid et de la fermeture des cinémas, on vous propose une nouvelle fois de réduire de moitié le loyer du Plaza pour la période qui s'étend du 1er avril au 30 juin 2021. Voilà, j'espère que ce sera
la dernière fois qu'on sera amené à le faire et qu'ils pourront enfin récupérer une activité normale d'ici peu. On passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Avenant à la mise en location d'un bien immobilier situé à Auton, rue Simon, numéro 14. Ben, c'est notre binôme habituel, hein, puisqu'on a passé le point du plaza, voilà le point du jardin des familles. Et donc, on vous demande effectivement également de leur octroyer une réduction pour la moitié du loyer pour les mois d'avril, mai et juin 2021, en se disant qu'effectivement, ça devrait être la dernière fois qu'on prend cette délibération-là. On passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Pardon, Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. François, oui. Et Jacques, oui. Le point suivant est un point concernant l'urbanisme. Faisabilité de la modification de l'assiette existante d'une portion du chemin numéro 8. Décision de principe. Alors, vous avez tous entendu parler du projet du RAEP. Il s'agit donc, je vais d'abord vous parler du promoteur. Le promoteur, c'est Jean-Charles Orban, qui représente la société JP7. JP7 est un holding qui travaille dans le domaine industriel et financier et dont le siège est à l'avenue Louise à Bruxelles. Le dossier ici est conduit sur le terrain par Denis Bonjean, géomètre à Auton, et par la société Architecture et Bois, représentée par M. Benoît Stratton. L'endroit, il s'agit de 9,63 hectares, parcelle située en zone de loisirs au plan de secteur. Donc, on est, soyons bien clairs, on n'est ni en zone forestière, ni en zone agricole, ni en zone d'habitat. Zone de loisirs, ça veut dire accueil touristique, en résumé. Il y a deux voies d'accès. La première, pour les piétons, est via un ravel, via la rue Lava à Fronville, le camping de la Mayette, et, enfin, le ravel qui contourne le camping de la Mayette, et le pont en bois que tout le monde connaît. La deuxième accès pour les véhicules se fait via la rue du Raé et le plein de Holzé. Historiquement, c'était un camping de 150 parcelles dans les années 80. Il n'y avait qu'un seul accès, la rue du Raé et le plein de Holzé. Mais il faut bien dire qu'à l'époque, la zone était beaucoup moins peuplée qu'actuellement. Il est abandonné dans les années 90, tombé en désuétude, défaut de gestion par des repreneurs. Il n'a jamais été complètement réhabilité. Dans certains endroits, c'est un dépotoir. Dans d'autres, la nature a repris ses droits, mais sous la verdure, on peut trouver encore beaucoup de choses. Le projet, donc, dans la zone de construction, il y aura deux zones, une zone de construction et une zone centrale. Dans la zone de construction, sur les bases des règles de la région wallonne, la surface devrait accueillir 130 lodges de 40 à 60 mètres carrés, pouvant accueillir 4 à 6 personnes, préfabriquées en bois, avec ou sans auvent, avec deux emplacements de parking. Ces structures sont destinées à la vente, donc ce sont des gens qui vont acheter, on ne pourra jamais s'y domicilier. Autour de ces lodges, il y aura 4 km de haies qui seront plantées. Tous les arbres de qualité seront maintenus avec un suivi du DNF
La séparation des eaux claires et des eaux usées est acquise. Les eaux claires dispersées, les eaux usées seront mises à l'égout vers une station d'épuration de 100 équivalents habitants avec un bassin tampon et, si nécessaire, écoulement vers l'Ourthe. Les poubelles seront enterrées. Les voiries seront des voiries drainantes. Donc, pas de caniveaux, pas de fossés, pas d'accumulation d'eau. L'éclairage sera progressif, c'est-à-dire il se modifie en fonction du mouvement, et il sera à hauteur, à mi-hauteur au niveau du sol. J'ai déjà parlé de... Voilà pour la zone constructible. Par contre, la zone centrale, qui fera 20% de la surface, donc environ 1,8 hectares, on pourra trouver un pavillon, une pergola, une arborescence, des buttes et des dépressions pour les enfants jouer, circuler, etc. Il y aura un aménagement vert, un bâtiment technique. Donc, j'ai bien dit, ça représentera 20% de la surface. La première étape du dossier est en cours et une enquête publique a eu lieu dans le cadre du rapport d'incidence environnementale. Les principales remarques. La première, vous détruisez une forêt. En fait, on n'est pas en zone forestière, je l'ai déjà dit, sous la verdure des déchets, des ruines, et les plantations n'ont aucune valeur exceptionnelle selon le DNF. Il en va de même pour la faune et la flore, même si quand on s'y promène, on voit quand même des jolies fleurs. Alors, la deuxième remarque, c'était la tranquillité du quartier du plein de Holzé. Il faut savoir qu'il est habité par 73 Autonais, 145 d'Urbouisiens. Ils craignent le bruit, la pollution, la perturbation des ravelles qui passent par là et beaucoup d'autres petites choses qui sont citées. Mais il faut bien admettre que le problème principal, et c'est celui qui secoue la population, ce sont les véhicules, la circulation des véhicules. Un chiffre un peu carnavalesque a été cité de 1500 véhicules. Pour 130 lodges, pour qu'il y ait 1500 véhicules qui passent, il faudrait que les citoyens sortent 12, que toutes les personnes sortent 6 fois par jour. Donc, 6 fois 2 allers-retours par jour. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais il est bien évident que loin de ce chiffre, il y aura certainement une intensification du trafic, c'est certain. Il faut savoir que le camping de la Mayette rue Lava avec 130 points est desservi par la seule rue Lava où des jeunes viennent de construire et où je n'ai jamais eu de plainte en 9 ans. De même, le Père André et l'Ozone sont construits au bord de la rue de Fonzay. Là aussi, je n'ai pas de plainte. Et enfin, le Moulin d'Auton, la seule sortie, le Moulin et la rue d'Iseghem. On peut y entrer par la rue d'Iseghem et la rue du Bâti, mais la seule sortie est la rue d'Iseghem. C'est certain qu'à la rue d'Iseghem, il y a parfois des problèmes de circulation, mais ils sont plus inhérents aux entrées et sorties de l'école. N'empêche que, même si dans d'autres endroits, ça ne pose pas énormément de problèmes, n'empêche qu'on a réfléchi et on a cherché une solution. Cette solution, elle existe, potentiellement. Dans le sens où il y a le chemin numéro 8, chemin qui va de la nationale 833, environ 200 mètres plus haut que le centre Henri Dunant, et qui va dans le parc et qui rejoint une des pointes du site du RAE. Ce n'est pas à cet endroit-là que dans le pré-projet est prévue l'entrée, mais le promoteur signale qu'il n'y a aucun problème, il peut changer sa disposition en fonction de l'ouverture de ce chemin. Quelles sont la distance? Ça fait à peu près 800 mètres, dont 120 concernent la commune de Durbuy. Ce chemin, évidemment, n'est pas aménagé actuellement. Il sert principalement aux forestiers, aux agriculteurs et encore pas énormément. Et il est constitué à certains endroits un peu rocailleux,
beaucoup. Ce n'est pas la principale structure qui existe. Alors, en réunion de contact de divers points, les premiers par le commissaire Voyer, M. Cornet. En ce qui concerne les eaux de ruissellement, il sera proposé un chemin drainant. En ce qui concerne les terres excavées, il y en aura, mais ce n'est pas catastrophique puisque selon le DNF, il y a 30 cm de terre et on est tout de suite sur le schiste, ce qui est une bonne chose. Et ces terres excavées, M. Cornet fait remarquer que l'idéal pour éviter des frais et beaucoup de complications de trafic, etc., l'idéal serait de les étendre de part et d'autre de la voirie. Et enfin, le gabarit de la route, il n'est pas conseillé de faire une route large où on peut se croiser sur toute la longueur à deux. Par contre, il est question de faire une route, plus ou moins une bande, mais avec des zones de croisement de façon à éviter l'excès de vitesse et l'appel de véhicules. Alors, selon le DNF, tout est faisable. On n'est pas en Natura 2000, même si on est à côté. Selon le concepteur, il y avait un concepteur de voirie drainante qui avait été invité. Il a un peu expliqué comment ça fonctionnait et on aura l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, d'aller voir de telles voiries installées dans le Brabant Wallon, entre autres. Et enfin, les terrains voisins sont principalement situés sur le territoire de la commune, appartiennent à la commune de Sommeleuze, à la commune de Durbuy et à un privé qui habite Sommeleuze. Donc, au niveau des emprises pour faire la route, ça peut aussi se négocier dans le calme avec les communes et un riverain privé. Reste un problème qui a déjà été signalé par la personne concernée. Hein. C'est une zone de chasse, donc il y a un chasseur qui est concerné. Évidemment, il est clair qu'il faudra prévoir une indemnisation ou une compensation. Enfin, tout ça se négociera en fonction des événements et de la possibilité de réaliser ce projet. J'estime en tout cas, à titre personnel, que la route est faisable. La distance ne fait pas peur. L'aménagement prévu par le promoteur de placer son entrée à un autre endroit que le bout de la rue du Rahet et du plein de Holzé est évidemment quelque chose qui doit séduire les gens du quartier. Et personnellement, je trouve que c'est très bien si on peut réaliser cet objectif. Vous me direz, qui va payer? On n'a pas encore évidemment négocié les gros sous, puisqu'il faut d'abord négocier l'autorisation de réaliser ce chemin. Le promoteur pourrait intervenir pour une partie, la commune de Hotton pour une partie. Peut-être aussi la commune de Durbuy, qui, comme je l'ai dit, est concernée par 120 mètres de distance, mais aussi surtout par 145 habitants au plein de Holzé qui souhaitent et mettent un peu la pression pour qu'on fasse quelque chose. Enfin voilà, est-il possible d'avoir des subsides? Je n'en sais rien, on n'a pas encore gratté, mais je trouve que ce projet, tel qu'il est présenté par M. Orban, et ses aidants, Denis Bonjean et M. Stratton, l'architecte, ce projet a un côté environnemental et durable qui me plaît beaucoup et je me demande si on ne doit pas en faire un projet pilote et dans ce cadre-là, la réalisation d'une voirie drainante dans une forêt pourrait aussi être un plus. Enfin voilà, je vous ai résumé dans le détail, sans donner de chiffres, excusez-moi, mais bon, je ne veux pas me lancer là-dedans. Je vous ai résumé dans le détail les tenants et les aboutissants. Je n'en sais pas plus que ce que je viens de vous dire, sinon qu'on a affaire à un promoteur qui est très décidé, qui est volontaire et qui a beaucoup d'idées, et que je remercie d'ailleurs pour sa convivialité, ainsi que ses deux partenaires. Voilà, si vous avez ici, donc on prend une décision de principe, c'est-à-dire que vous donnez au collège la possibilité d'entamer les vraies négociations et les modalités de réalisation de ce chemin dans les bois entre le parc du Rahet et la route nationale. Encore un petit détail, mais qui n'a pas non plus été négocié, la sortie perpendiculairement à la route nationale 833 est quelque chose qui fait un peu frissonner, je pense que tout le monde y a pensé.
Il se fait que 200 mètres plus bas, il y a un parking qui appartient au domaine de la Reine Pédogue, donc à l'État belge. Et ce parking, il est visible. La sortie sur ce parking permettrait d'avoir une visibilité aussi bien pour les véhicules qui descendent que pour les véhicules qui viennent de Malreux. Et je pense que là, on pourra aussi peut-être négocier avec la régie des bâtiments, donc l'État belge. Merci de votre écoute et je vous écoute à mon tour. J'aimerais poser des questions, si vous le permettez, Marc. Oui. Voilà, donc le projet du RAE, comme vous venez de l'expliquer, est aussi un projet que notre groupe trouve intéressant pour la commune. Mais si celui-ci respecte des attentes des habitants aux alentours et même quelque part sur certains points de tous les habitants de Hotton. Nous pouvons y voir, comme vous l'avez signalé, le moyen de réhabiliter une zone laissée à l'abandon. On peut aussi y voir un moyen de créer de l'activité, de l'emploi sur la commune, pour les commerces locaux, pour les restaurants, pour l'entretien des lieux, etc. Mais nous pouvons aussi y voir une charge supplémentaire pour les habitants de Hotton. Cette charge, elle peut être liée à la sécurité, elle peut être liée à la propreté, elle peut être liée à la gestion de la voirie dont on vient d'évoquer un coût dont on ne sait pas qui va le payer. Donc vous venez de nous présenter pour moi le projet d'un point de vue du promoteur, mais le collège n'a pas actuellement des propos fort rassurants sur certains points d'incidence indirecte qui sont ceux qui préoccupent les villageois de Delain et de Monteville qui vous ont écrit. Je pense qu'ils ont aussi en tête le passé de ce camping et ses désagréments, la propreté de l'espace autour du camping, la nuisance le soir avec certaines activités au bord de l'Ourthe, etc. Donc actuellement, si on se réfère un peu à tout ça, ben la balance elle penche peut-être un peu négativement par manque de définition des actions prises pour pouvoir assurer les propos qui sont avancés en séance, hormis les aspects de la construction. Nous ne savons pas vraiment qui prendra en charge la voirie, la construction, l'entretien, quels engagements les chemins de l'environnement proposent par rapport à l'impact sur la propreté, sur les nuisances sonores qui vont déborder du site. On comprend bien que le site sera apparemment qualitatif. La dimension du projet ne dépasse-t-elle pas la capacité des lieux? Et quels engagements aussi pour un échevin du tourisme on peut apporter pour un tourisme de qualité? Nous aurons 130 propriétaires, puisqu'ils vont être vendus, qui seront en villégiature, ou bien c'est des gens qui vont viser un rapport financier, et donc on va avoir une multitude de personnes qui vont se présenter sur les lieux avec une gestion qui peut être beaucoup plus difficile qu'un centre géré d'un seul propriétaire. Et quelles informations aussi pouvons-nous attendre de l'échevin des finances par rapport à la balance économique positive du projet pour la charge de la commune et donc des habitants d'Hotton? Pouvez-vous nous décrire les intentions ou les exigences que vous aurez vis-à-vis de ces sujets pour être rassuré par vos propos? Vous nous demandez de voter sur un dossier qui est à l'étude, mais que voulez-vous que nous votions puisque nous ne pouvons pas nous engager si nous n'en savons pas plus sur les engagements réels que vous venez aussi de nous expliquer ne pas avoir complètement en main? Si je peux, je vais d'abord répondre à certains points, puis je céderai la parole aux échevins concernés s'ils souhaitent se prononcer. D'abord, on ne vous demande pas de vous prononcer sur le projet, on vous demande de vous prononcer sur la faisabilité du projet, donc sur l'étude du projet. Tous les points que vous avez cités, évidemment, on en tiendra compte, hein, mais on n'en est pas là actuellement. On ne peut pas venir vous demander, écoutez, donnez-nous le droit de faire l'étude du projet avec un projet déjà tout étudié. Ce n'est pas possible. Donc, on est là aujourd'hui pour avoir l'autorisation de lancer un travail. Alors, en ce qui concerne la capacité, je tiens tout de suite à dire que le promoteur avait un projet initial de 115 lodges. C'est la région wallonne qui a imposé 130, indépendamment de sa volonté, parce qu'il faut une utilisation rationnelle et maximale du sol. Elle fait la même chose un peu partout maintenant dans les constructions. On fait plus ce qu'on veut. Les quatre façades, vous le savez, sont plus très bien vues. Eh bien, ici, la norme pour la région wallonne, c'est 130. En ce qui concerne le bruit et les autres pollutions nocturnes, etc.,
Je tiens quand même à signaler qu'il y a une carte, Simon, si tu pouvais la montrer, où on voit une vue aérienne avec la distance vis-à-vis des maisons et vis-à-vis du parc du Rail, vis-à-vis de la Mayette. Eh bien, vous verrez que les premières maisons, non, ce n'est pas celle-là, mais elle est dans la suite. Je pense que c'est probablement… Voilà, c'est celle-ci. Donc, vous voyez la distance par rapport à la première maison de Fronville, c'est 402 mètres. Par rapport à la Reine Pédoc, c'est 444 mètres. Et par rapport au plein de Holzé, le point le plus près est à 363 mètres. Il n'y a pas de maison plus proche. Donc, je pense qu'on n'est pas… On n'est pas dans un endroit où on est encaqué dans un quartier, même si la circulation, effectivement. Hein? Donc voilà, je voulais vous répondre à ces deux points-là, le nombre de lodges et la distance, la tranquillité du quartier. Maintenant, au sujet de l'aspect financier, c'est certain qu'il y aura un retour pour la commune, Simon peut en toucher un mot. Oui, mais la distance est aussi une distance que les gens peuvent parcourir. Hein, des jeunes le soir qui vont au bord de l'eau, ça peut très vite déranger. Pas seulement trop enfermé avec des barbelés, ça c'est clair. Simon ? Voilà, bah forcément il y aura, comme le bourgmestre l'a présenté, certains coûts, principalement liés à la charge de mise en place d'une nouvelle voirie. Maintenant, on peut aussi escompter des recettes qui seront liées notamment à l'installation de ces nouvelles résidences et notamment à la taxe sur la seconde résidence que cela pourrait impliquer. Donc, on fait un rapide calcul, 130 x 640, ça pourrait dire des recettes de l'ordre de 80 000 euros, ce qui n'est pas négligeable non plus et qui permettrait clairement de financer notre partie de la voirie, je pense. Maintenant, les retombées indirectes en termes de tout ça. Ça annulerait tout bénéfice, ce serait juste un payé pour un rendu. Non, Simon continue. Ça annulerait tout bénéfice, je ne pense pas. Enfin, il faudra voir exactement le coût de cette voirie, on n'en est pas encore là. Enfin, c'est des calculs qui seront affinés clairement dans les prochains mois. Il y aura évidemment aussi des retombées en termes de commerce et de tourisme, évidemment, vu que les gens qui seront dans ce nouveau parc résidentiel seront à proximité immédiate du village de Mellereux et du reste de la commune. Donc, il y aura des perspectives à différents niveaux pour les retombées indirectes. Ok, je vais prendre la parole si vous voulez bien. Vas-y, Jean-François. Par rapport, est-ce qu'on m'entend bien d'abord? Parce que je ne suis jamais. Oui, Jean-François, c'est parfait. D'abord, Jeanne, je voulais te féliciter par ton exposé, franchement bien détaillé par rapport à tout ce qu'on sait maintenant. C'est vraiment ouvrir la porte à tout le monde. Donc, on sait très bien ce qui se passe et ce qu'on sait jusqu'à présent. Donc, bravo pour ton exposé parce que, il faut quand même étudier les affaires dans le détail et je trouve que c'est bien fait. Donc, je voudrais juste rappeler qu'on est bien dans une zone de loisirs et qu'elle n'est pas destinée à disparaître. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de chasse, mais je ne connais pas beaucoup de chasse qui se passe dans des zones de loisirs. Donc, ça, ce sera discuté avec la commune de Sommeleuze et de Durbuy. Dans un deuxième temps, la limite de Natura 2000, donc il y a une limite Natura 2000, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, on est en Belgique, on est en France, on est en France. Et la troisième chose que je voulais quand même préciser, c'est que l'écoute du citoyen, elle est là. Malgré le Covid, il y a eu un exposé Internet, Facebook, je pense qu'il a été très bien réalisé, très bien organisé aussi par l'auteur de projet. Ce n'était pas une chose facile à faire dans le sens où, avec le Covid, à part des coups de téléphone et des mails ou des courriers parfois très violents, le collège a toujours su répondre d'un calme, je pense, olympien et répondre à toutes les questions qui existaient. Donc, Marc, si je peux répondre à tes quelques questions indirectement, ou alors tu le répètes dans le détail si tu veux. Je vais juste dire, comme ça, si je n'ai pas répondu à tout ce que tu veux, je peux les répéter. L'engagement. Je vais quand même continuer dans où je suis. Donc, au niveau du tourisme, on va vers un tourisme de qualité. Donc, je pense que tu habites au Thon depuis pas mal d'années, comme moi, depuis que je suis né, à tous les cas. Je t'invite à aller visiter le moulin de Hauton, le camping de la Brise, les Spinettes qui va être récemment rénové. Et aussi le camping de la Mayette, sans oublier les autres. Enfin, les autres, il n'y en a plus beaucoup d'autres.
Il n'y a jamais eu ou très, très, très peu de plaintes à ma connaissance. Franchement, le tourisme, il y a des propriétaires et il y a des locataires. Au niveau du tourisme, je pense que les personnes qui gèrent le site savent de quoi elles parlent. Il n'est pas question de faire une discothèque ou en tout cas, la commune serait les premiers au courant. Et si c'était le cas, évidemment, on mettrait des barrières. À savoir aussi qu'à côté, il y a un sort de réfugiés. Très, très rarement, il y a des problèmes, mais d'une manière générale, il y a des jeunes aussi qui vont se promener à gauche, à droite. Si jamais tu entends des mauvais échos par rapport à ces 5 éléments que je viens de citer, mais n'hésite pas à m'en faire part parce qu'il ne faut pas s'amuser à faire peur. Je sais bien qu'il y a un bois pour le moment qui n'était pas là il y a 20 ans. Donc, à un moment donné, il faut savoir avancer avec les zones de loisirs qu'on a. Je pense que pour la commune, c'est un plus. Voilà. Si ce n'est qu'au niveau des commerces, ben c'est un plus. Au niveau économie et finances communales, ben, que les commerçants et les habitants profitent d'une zone de loisirs supplémentaire et bien exploitée, je pense que c'est un plus. La mobilité, c'est le premier point. Et voilà, Jacques vient de présenter une magnifique alternative. Je pense qu'on y mettra des sous, mais nous n'avons pas peur pour l'évolution de la commune. Merci Jean-François. Est-ce que d'autres je peux me permettre d'ajouter un petit mot? Oui, monsieur le bourgmestre, si je peux ajouter. Oui, Marianne. Je pense que Véronique et moi, nous habitons rue d'Izeghem et au bout de la rue, il y a 30 lodges identiques. On n'a absolument aucune nuisance, on n'a même pas de problème de trafic intensif. Je pense, Véronique, tu dois être d'accord avec moi qu'il n'y a aucun problème. En général, ils passent à pied ou en vélo. Et y a voilà, pas moi, je dois quand même, oui, mais moi, je dois quand même dire que y a quand même, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui passe. Il y a le parking, bien évidemment. Et là, on n'est pas encore arrivé en été avec le surplus de lodge qu'il y a eu. Et on n'est pas encore en pleine capacité. Donc, pour le moment, ça va. Mais moi, ce que j'ai déjà dit, c'est que j'espère que ça ne va pas trop s'étendre, quoi, pas plus. Mais voilà, on verra l'été, ouais, on verra comment ça va. Mais jusque-là. Ils ne sont pas bruyants. Mais, hein. Voilà. Ils sont bruyants, non, ils ne sont pas bruyants. Voilà. Ah non, ils ne sont pas brillants. Voilà, on est bien d'accord. Au sujet du camping du Moulin d'Auton, il faut quand même bien dire qu'il y a eu un RUE qui a établi le programme sur une surface assez conséquente et que tant qu'à présent, ce RUE est respecté. Ça ne se passe pas toujours facilement. Il y a parfois des craintes du côté de l'urbanisme à Arlon. Mais n'empêche qu'on est dans les rails du RUE et dans le cadre du RUE, les gens ont eu l'occasion de se déterminer. Il faut savoir aussi que s'il y a 30, je pense que c'est plutôt 50 lodges actuellement, si on en est là, avant il y avait 160 parcelles de camping et il y avait potentiellement plus de circulation qu'actuellement. Mais je tiens à dire aussi que cette clientèle est une clientèle qui fait plaisir au centre de Auton et les commerçants ne se privent pas de le dire, que c'est une clientèle de qualité et qu'on a besoin de ça. On a la plage, on a à 10 mètres de la plage, on a les terrasses. Ben, je suis désolé, mais c'est la Waalse Kust et je trouve qu'une plage verte comme on en a une, et on vient encore d'avoir des bonnes nouvelles, je trouve qu'on doit se réjouir de voir que des gens viennent investir, que ce soit à l'Espinette avec 30 nouvelles lodges ou que ce soit au RAE, là, avec la redynamisation d'un secteur de loisirs qui a été totalement abandonné, alors qu'il est dans un emplacement merveilleux, puisqu'on est au bord de l'Ourthe. Il est entouré de Ravel. Il ne faut pas oublier ça non plus. Ces gens-là, ils feront du vélo, ils auront le plaisir en Ravel de pouvoir filer vers Marche, vers Durbuy, vers La Roche, vers Barvaux, pratiquement sans quitter les Ravels, au point où on avance dans la construction des Ravels. Je trouve que cet emplacement est vraiment idéal et respecte en tout cas tous les projets d'investissement qui sont déjà en cours. Jacques, si je peux ajouter un mot aussi, oui, c'est un projet qui est un peu environnemental. Il faut savoir que l'électricité, ce sera produit par des panneaux voltaïques. Il n'est pas question non plus de faire des voiries en béton ou en asphalte. Ce serait plutôt des voiries drainantes qui respectent un peu la nature, on peut dire comme ça. Plutôt des empierrements compactés, très faux, avec de la chaux dedans. Et ça, ils garantissent même le charroi des camions de forêt ou agricoles sur ces voiries-là. Ils font des essais à la plaque comme pour un caliroute. Hein. C'est exactement le même principe, sauf que ça coûte 30 à 40% moins cher qu'une voirie ordinaire en béton. Voilà. Oui, j'avais oublié que les panneaux photovoltaïques sur chaque lodge
de manière à produire de l'électricité. Oui. Est-ce que je peux reprendre la parole? Oui, oui, vas-y. Donc, effectivement, ce que vous venez de dire est de nature à rassurer, et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'objectif ici est bien de revaloriser un site et d'apporter une économie. Les inquiétudes ne sont pas, en tout cas, elles sont éclairées aujourd'hui parce que je pense qu'il y avait une attente au niveau des habitants, mais elles restent pour moi, et c'est important au niveau d'un collège de devoir apporter ces éclairages pour que les habitants de Delain et de Monteville et aussi ce sentiment que ça ne va pas leur nuire, parce que avoir un endroit de qualité, avoir un tourisme et une économie qui est plus florissante et avoir des coûts qui sont favorables pour la commune, il faut aussi que les gens soient rassurés et ne vivent pas dans la crainte. L'idée n'était pas non plus de porter un message négatif à partir du moment où les choses sont bien faites, c'était de poser les questions pour que, en tant que membre du collège, vous nous répondiez, vous répondiez aux habitants de Delain et de Monteville de façon claire sur vos engagements pour que tout le monde soit rassuré que c'est un bilan positif pour tout le monde. Et je vous remercie de l'avoir fait et j'espère que tous ces engagements pourront être tenus. Merci. Ben voilà, sur ces bonnes paroles, on peut passer. Personne d'autre n'a de commentaires à faire. Sur ces bonnes paroles, on peut passer au vote donc pour la décision de l'étude de la faisabilité de rénovation, reconstruction du chemin numéro 8 entre la nationale 833 et le futur parc du RAE. Mais voilà, donc en fait, on est satisfait et quand même agréablement. On est voilà, très content de vos réponses qui nous rassurent en partie. Par contre, on va tout de même s'abstenir car on ne veut vraiment fermer aucune porte. Mais on a besoin encore d'en savoir plus, on attend encore d'en savoir plus. Et surtout, on souhaite que les villageois reçoivent des réponses précises aux questions qu'ils vous ont posées. Voilà. Donc, on s'abstient, mais on vous laisse vraiment toute la liberté de continuer à développer, à nous présenter plus précisément au cours des prochains conseils communaux ce projet voilà, que nous ne rejetons pas du tout. Mais c'est plutôt sur le manque d'informations voilà, qui nous limite un petit peu pour le moment. Donc, c'est abstention. Merci. Cindy, abstention. Catherine, abstention. Véronique, abstention. Marc, abstention. Catherine, abstention. Philippe, abstention. Pardon, Martine, oui, bien entendu. Benoît, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Je note donc que seule la majorité a dit oui et que les autres n'ont pas soutenu la proposition des gens du RAE et du plein de Holzé d'étudier et de réaliser cette voie. On passe au point suivant. Ce n'est pas du tout ça. Vous vous abstenez, vous ne dites pas oui. Non. C'est clair. Mais si. Attention, ce n'est pas non plus, hein, Monsieur Chaplier. Ne mélangez pas tout. Enfin, vous ne nous informez de rien et vous voulez un blanc-seing. Vous informez de rien, vous venez de dire que l'information était presque complète. Sinon, on a bien insisté juste avant le fait qu'on s'abstienne. Comme d'habitude, on est habitué. Non, mais je pense que les gens ne nous feront pas dire ce qu'on n'a pas dit. Suivant vos réponses, vous n'avez pas voté, oui. OK, renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers par la SBL Terre, point numéro 10. Voilà, il vous est proposé de continuer à collaborer avec la SBL Terre, dans le cadre de la collecte des déchets textiles ménagers. Il convient dès lors d'approuver la signature de la nouvelle convention, qui est pour une période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Donc, elle a pour objectif de la collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler. Donc, ce sont toutes les bulles, entre guillemets, à vêtements que vous voyez aux quatre coins de la commune, qui sont malheureusement souvent sujets à des dépôts sauvages, mais je pense qu'un jour, les caméras qui vont arriver très vite vont pouvoir servir.
Commentaire. Alors, on passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Merci. Et Jacques, oui. Le point 11, conseil synergétique du bois du pays de Mannheim, Herzé, candidature et présentation, décision. Jean-François, je crois. Non, c'est toi qui présente, Jacques, qui présente juste ma candidature parce que je ne vais pas me présenter. Ah oui, pardon. OK. Donc, nous sommes au point 11. Voilà. Suite à la sollicitation de l'Union des villes et communes wallonnes, il est proposé de déposer la candidature de l'échevin Jean-François Dewey pour siéger au sein de l'AG et du CA du Conseil synergétique du bois du pays de Mannheim et Rosé. Ça doit être nécessairement un membre du conseil communal, je crois. Marie, c'est exact, hein? Oui. Alors, si je peux me permettre de dire un mot, il ne s'agit pas de proposer un membre pour faire bien ou pour faire plaisir ou pour simplement représenter la commune. Ce qu'il y a, c'est que avec mon échevinat et même mon expérience antérieure, avec la connaissance que j'ai de la chasse via beaucoup de connaissances, c'est devenu une véritable passion. Malgré que je ne suis pas un chasseur, je ne saurais pas déjà tuer une mouche ni une abeille, mais surtout pas une abeille d'ailleurs. Mais voilà, ça devient une passion, donc j'espère avec un peu de chance que je serai repris. Je pense que ça se passe par tirage au sort. Ok, on passe au vote. Je peux intervenir. En fait, Jean-François, moi, je voulais savoir, explique-moi un peu, je ne sais pas en quoi ça consiste, enfin, je ne comprends pas bien en quoi ça consiste au juste, et le rôle que tu vas avoir à interpréter, à faire au juste là-dedans, et le projet peut-être, s'il y en a, hein, et ce que ça va apporter. Est-ce que ça va apporter quelque chose à la commune, ça ? Voilà. Donc, je fais ma blonde, mais... Non, je apporter quelque trop. Chose à la commune directement, je ne pense pas. Donc, le conseil cégénétique, c'est la gestion avec les chasseurs, le DNF et la région wallonne, la gestion du petit et du grand gibier, voir le nombre de cerfs, par exemple, qui vont tuer par an à l'hectare, le nombre de sangliers à l'hectare. Mmh. Ce sont des décisions qui se font avec les chasseurs, le DNF et la région wallonne. Maintenant, la mission que je vais avoir, c'est surtout porte-parole de la commune au niveau des projets. C'est pas moi qui vais amener des projets, j'aurai sûrement, ou j'espère en tout cas si je suis repris, mon mot à dire, mais dans un premier temps, je devrais suivre l'avis de l'Union des villes et communes, c'est-à-dire que l'invitation vient de l'Union des villes et communes pour qu'on représente justement les communes qui ont des propriétés sur ces terrains-là. Maintenant, les conditions, je ne sais pas si tu les as devant toi, Jacques, autrement je recherche dans mes mails. Mais c'était je n'ai pas le dossier devant moi, on n'est pas à la commune. Et... Si, c'était dans l'affaire du conseil, je ne sais pas si tu as jeté un œil, mais enfin voilà, en gros c'est ça. Maintenant, si tu veux plus de détails, ou je peux même faire, si jamais je suis repris avec bonheur, je te ferai gentiment une petite conclusion de la première réunion, si tu veux. Ça va? Ah oui, ça m'intéresserait, oui, parce que ça me permettra peut-être de mieux comprendre, oui, mais super, ça va, je te remercie. Maintenant, dans le tu peux peut-être l'inviter, Guy, Jean-François. Je me montrer à la chasse. Non, la chasse, je ne vais pas. À la réunion, non. OK, ça va, merci. On passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui, et merci à tous. Et Jacques, oui. Tutelle sur les actes de fabrique d'église, compte 2020 de la fabrique d'église de Fronville. Donc voilà, elle présente, je m'excuse, je reviens dans mes papiers, voilà, elle présente boni de 5 915 euros. Et la subvention communale était de 10 170 euros. Commentaire, on passe au vote.
Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Point 13, fabrique d'église de Melreux, compte 2020. Décision. Voilà. Après quelques rectifications de la tutelle, c'est-à-dire la commune, on arrive à un boni de 5 922 €. Donc, je remercie le personnel de suivre ça correctement parce que ce n'est pas toujours facile, même si c'est bien présenté souvent de la part des fabriques d'église. Et pour votre information, l'intervention communale était de 9 498 €. On passe au vote, s'il vous plaît. Nathalie, oui. Pardon, j'ai oublié d'allumer mon micro. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. Fabrique d'église de Melreux, modification budgétaire numéro 1 2020. Donc, ça demande une dotation communale extraordinaire qui est augmentée à 7 400 €. Donc, c'est comme nous avons fait à Auton et à l'église de Fronville aussi. C'est pour principalement la rénovation de la sonorisation. On passe au vote. Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Marc, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Elle, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui. Guy, oui. Jean-François, oui. Et Jacques, oui. On passe donc à la saga des AG des intercommunales. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et je crois 15. Donc, Jacques, si je peux me permettre, on n'en avait pas parlé en réunion de majorité, je m'en excuse. Est-ce qu'on peut faire simplement un vote groupé après toutes les intercommunales ou il y a quelqu'un qui veut voter précisément chaque intercommunale? Marie, c'est autorisé, ça, c'est pas de problème. C'est quand même des matières fort différentes, vous devez quand même présenter le point. Imaginons qu'il groupe, mais on va citer l'ordre du jour, évidemment. Il n'est pas question de passer à côté. Et on peut simplement indiquer groupe, même vote, hein. Voter pour la première et puis dire même vote si c'est le même vote pour chacune. Ça se fait dans pas mal d'assemblées, ça. Même mais on l'a déjà fait. Les trois représentants, alors. Au Parlement du même vote et voilà. Donc, okay. Le premier de chaque groupe, le chef de groupe donne le vote alors. Ok. AG de l'intercommunal IMIO. Excusez-moi, on n'a pas passé le point 14. Ben si, hein, la modification budgétaire de l'église de Melreux. On vient de le faire. Tu viens de le voter, tu l'as voté. Ah oui, non, c'est bon. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre parce que moi aussi je suis distrait. Oui, mais non, mais il me semblait qu'on en avait zappé une. Mais non, on a voté la tutelle, le 13, non ? La 13 qu'on a votée, on n'a pas voté la 14. Oui. Oui, je pense aussi. On a voté la tutelle, mais pas le point 14, pas l'AMB. Ok, bon, on peut voter l'AMB. Allez-y. Même vote. Pour moi, c'est le même vote. Non. Donc, Nathalie, oui. Cindy, oui. Catherine, oui. Véronique, oui. Catherine, oui. Philippe, oui. Martine, oui. Benoît, oui. Raphaël, oui. Marianne, oui. Laura, oui. Simon, oui.
Guy, enfin Jean-François, oui. Jacques, oui. On a pas entendu Guy. Okay. Oui, pardon. Alors, voilà, on passe à l'intercommunal IMIO. Voilà, donc il s'agira à nouveau d'une assemblée générale ordinaire en format virtuel. Elle aura lieu le 22 juin 2021 à 17h. Et les points à l'ordre du jour sont la présentation du rapport de gestion du CA, la présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, la présentation et l'approbation des comptes 2020, la décharge aux administrateurs, la décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes, et enfin la désignation d'un collège de deux réviseurs pour les années 2021 à 2023. Oui, pour nous. Oui, pour le groupe EC. Oui, la majorité. Pour le groupe UC. Voilà. On passe au deuxième point, c'est le BEP Crématorium. L'Assemblée générale ordinaire est organisée en réunion physique avec modalité exceptionnelle conformément aux dispositions dans les locaux de l'UCM, chaussée de marche à Vierde. Le mardi 22 juin à 17h30, à l'ordre du jour, approbation du PV de l'Assemblée générale du 15 décembre 2020, approbation du rapport d'activité 2020, approbation des comptes 2020, rapport du réviseur, approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6-421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, approbation du rapport de gestion 2020, approbation du rapport spécifique de prise de participation, des charges aux administrateurs et des charges aux réviseurs. Oui pour le groupe UNE-EC. H2O, oui. Union communale, oui. Alors, le point suivant, c'est Sofilux. Voilà, Sofilux, donc là, ASE aura lieu le 15 juin 2021 à 18h, en présence pour les administrateurs et en visio pour les autres. L'ordre du jour, 1, rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes, 2, bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020, 3, rapport du comité de rémunération, 4, décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat 2020, 5, décharge à donner aux commissaires aux comptes pour l'exercice de leur mandat 2020 et 6, nomination statutaire. H12E, oui. Pour... Oui, EC. Union communale, oui. Pardon. Le point suivant, c'est ORES Assets. Je ne sais pas qui présente ça. C'est Simon. ORES Assets. Je n'ai pas le point, je pensais que tu le présentais, Jacques. Regardez, ah ben, il faut que Marie le lise alors, parce que moi, je n'ai pas le document dans ma farde. Je peux le faire si vous voulez, je l'ai là. Vas-y, Laura, merci. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Présentation du rapport annuel 2020, compte annuel arrêté au 31 décembre 2020, décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat, décharge aux réviseurs pour l'exercice de son mandat, actualisation de l'annexe 1 des statuts, liste des associés. C'est le 17 juin 2021 à 11h en vidéo. Merci, H12O. Laura. C'est oui pour entente communale. H12O, oui. Union communale, oui. AG extraordinaire de la Terrienne du Luxembourg, c'est Marianne. Oui, alors il y a une ordinaire qui s'est greffée, donc je la ferai dans la foulée. Alors pour l'extraordinaire… Si vous êtes d'accord, il y en a 6 à rajouter, il faut que tout le monde soit d'accord, je suppose qu'il n'y a pas de discussion. Hein. Oui, ça va. Alors pour l'AG extraordinaire de la Terrienne, l'ordre du jour est le suivant. Subdivision du nombre actuel d'actions et abandon partiel. Deuxièmement, rapport et déclaration préalable. Troisièmement, fusion. Quatrièmement, proposition d'adopter une nouvelle dénomination, à savoir la Terrienne du Crédit Social. Cinquièmement, proposition de modifier l'objet de la société en vue. Sixièmement, proposition de supprimer le texte de l'article 5 des statuts relatifs au champ d'activité territoriale. Septièmement, proposition d'adapter les statuts de la société aux dispositions et à la nouvelle terminologie du Code des sociétés et des associations. Huitièmement, proposition d'insérer un nouvel article après l'article relatif au comité de crédit. Neuvièmement, afin de permettre une participation à distance dans les AG, proposition d'insérer un nouvel article après celui relatif à la tenue de l'Assemblée générale. Dixièmement, proposition d'insérer un nouvel article dans les statuts en vue de permettre la tenue d'une AG générale écrite, rédigée comme suit. Onzièmement, suite à la suppression de certains articles et à l'insertion de nouveaux, rémunération des articles... Pardon, renumérotation des articles des statuts et adoption des statuts coordonnés, tels que repris ci après dans les résolutions.
Douzièmement, retrait d'un associé, à savoir la province de Luxembourg, cession et à défaut d'amateur, rachat des parts par la société. Treizièmement, les pouvoirs. Pouvoir à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion. Et ensuite, pouvoir de mandat spécial à conférer à des tiers pour signer le texte coordonné des statuts. L'AG extraordinaire aura lieu le 30 juin à 17h en visio. Et alors, est-ce que je peux présenter dans la foulée donc l'AG oui, ordinaire. Continue, on fait les deux. Voilà. Voilà, donc elle a lieu en visio également, mais le 11 juin 2021, là c'est plus court. Donc premier point, approbation des comptes annuels au 31 du 12 2020 avec rapport annuel et rapport de gestion. Deuxièmement, affectation du résultat. Troisièmement, décharge aux administrateurs. Quatrièmement, décharge aux commissaires. Cinquièmement, agrément de la région Wallonne et sixièmement, les divers. Voilà. Oui, pour aussi. H12O, oui. Néo communal, oui. Alors, le point 20, AG de l'Office des transports wallon. Donc, en fait, c'est le TEC. Et cette assemblée générale ordinaire a lieu le 9 juin 2021 en vidéoconférence à 11h. L'ordre du jour est le suivant. Rapport du conseil d'administration, rapport du collège des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels de l'OTW arrêté au 31 décembre 2020, affectation du résultat des charges aux administrateurs de l'opérateur du transport wallon, des charges aux commissaires aux comptes. Oui, pour EC. H12O, oui. Union communale, oui, pardon. Alors, le point suivant, c'est AG de l'AIEC. C'est pour Guy, elle sera suivie de l'AG de l'AISDE. Vas-y, Guy, tu fais les deux, s'il te plaît. Oui, ben, donc elle aura lieu le samedi 26 juin à 11h à l'AIEC. Approbation des comptes rendus de l'Assemblée générale précédente, rapport des activités de l'intercommunal, rapport du comité rémunération, rapport des rémunérations, rapport du réviseur, approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2020, décharge aux administrateurs et décharge aux commissaires réviseurs. Et 9 perspectives d'avenir. Voilà. Oui, pour nous. OK, EC. Union communale, OK. La ISDE. Oui, là, ben, ça aura lieu. Pardon. Oui, ça aura lieu le 29 à 20h, 29 juin. Et il y aura une deuxième assemblée à 21h. Donc, je commence par celle de 20h. Approbation du PV de l'Assemblée générale précédente, rapport des activités 2019 de l'intercommunal, approbation du rapport du comité de rémunération, rapport du commissaire réviseur, approbation des comptes arrêtés, même chose au 31 décembre 2019, là, pardon, décharge aux administrateurs, décharge aux commissaires réviseurs, perspectives d'avenir. Et à 21h, on aura une assemblée, là, il n'y a qu'un seul point, c'est le plan stratégique 2020-2022. Oui, pour EC. Oui, pour nous. OK, pour l'Union communale. Alors, le point suivant, c'est IDELUX Développement. Donc, la réunion du 23 juin à 10h en vidéoconférence. Approbation du PV de l'Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2020. Examen et approbation du rapport d'activité 2020. Rapport du conseil d'administration, rapport du collège des contrôleurs aux comptes, entre parenthèses réviseurs, approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, approbation de la proposition d'affectation du résultat exercice 2020, approbation du capital souscrit au 31 du 12 2020 conformément à l'article 15 des statuts, compte consolidé 2020 du groupe IDELUX, IDELUX Développement, IDELUX Projet Public, IDELUX Finance, IDELUX Eau et IDELUX Environnement Information. Décharge aux administrateurs, exercice 2020, décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, exercice 2020. Enfin, divers comme 11e point. Oui, pour EC. Oui, pour nous. Union communale, OK.
Idelux Finance. Donc, c'est aussi le même jour, je pense, le mercredi à 10h aussi. Approbation du procès verbal de l'Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2020. Examen et approbation du rapport d'activité 2020, rapport du conseil d'administration, rapport du collège des contrôleurs aux comptes réviseurs, approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, approbation de la proposition d'affectation de résultats exercice 2020, approbation du capital souscrit au 31 du 12 2020, conformément à l'article 14 des statuts, compte consolidé 2020 du groupe Idelux, développement, projet public, finances, eau et environnement, information des charges aux administrateurs, des charges aux membres du collège des contrôleurs aux comptes et remplacement d'administrateurs démissionnaires et enfin divers. H12O, oui. Union communale, oui. Écoutez, le suivant, c'est encore la même chose. Est-ce que je vous le lis tout? Oui, allez, en avant. C'est donc Idelux projet public, hein, le suivant. C'est aussi le mercredi à 10h. Approbation du PV de l'Assemblée générale stratégique du 16 décembre 2020. Examen et approbation du rapport d'activité 2020, rapport du conseil d'administration, rapport du collège des contrôleurs aux comptes, approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, approbation de la proposition d'affectation du résultat exercice 2020, approbation du capital souscrit au 31 du 12 2020 conformément à l'article 15 des statuts, compte consolidé 2020 du groupe Idelux Développement, projet public, finances, eau et environnement, information, des charges aux administrateurs exercice 2020, des charges aux membres du collège des contrôles aux comptes exercice 2020 et enfin divers. Oui pour EC. Oui pour H12O. Union communale, oui. Alors, le suivant, c'est Idelux O. Idelux O, aussi bien que toutes les intercommunales de Idelux, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous avez reçu normalement un mail pour ceux qui sont membres de l'Assemblée générale. C'est très important de vous inscrire pour la vidéoconférence. Donc, c'est toujours comme toutes les Assemblées générales d'Idelux, le mercredi 23 juin à 10h. Et alors, l'ordre du jour, exactement le même que ce que Jacques a cité auparavant, c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale stratégique du 16 septembre 2020, l'examen et approbation du rapport d'activité 2020, le rapport du conseil d'administration, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, l'approbation de la proposition d'affectation du résultat, l'approbation du capital souscrit au 31 du 12 2020, les comptes consolidés 2020 du groupe Idelux Développement, projet public, finances, eau, environnement, c'est une information. La décharge aux administrateurs, la décharge aux membres du collège, des contrôleurs aux comptes et enfin les divers. OK pour EC. OK pour nous. Jean-François. OK pour l'Union communale. Alors, Idelux Environnement. Alors, c'est toujours le même jour, le 23 juin à 10h. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 septembre 2020, l'examen et approbation du rapport d'activité 2020, le rapport du conseil d'administration, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2020, l'approbation de la proposition d'affectation du résultat, l'approbation du capital souscrit au 31 décembre 2020 conformément à l'article 15 des statuts, compte consolidé 2020 du groupe Idelux Développement, projet public, finances, eau, environnement, c'est une information, des charges aux administrateurs, des charges aux membres du collège, des contrôleurs aux comptes et enfin les divers. OK pour EC. Oui pour nous. Pour l'Union communale. Alors le point suivant, c'est l'AG de Vivalia. Marianne. Excusez-moi, j'ai fermé mon micro. Alors, donc l'AG de Vivalia aura lieu le mardi 29 juin à 18h30. Premier point, approbation du PV de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2021. Deuxièmement, présentation et approbation du rapport de gestion 2020. Troisièmement, présentation du rapport 2020 du contrôleur aux comptes. Ensuite, approbation des bilans et comptes de résultats consolidés de 2020. Ensuite, décharge aux administrateurs pour l'exercice 2020. Ensuite, décharge aux contrôleurs aux comptes pour l'exercice 2020. Et puis, répartition des déficits 2020 des MR-MRS.
Ensuite, répartition du déficit 2020 du secteur extra-hospitalier. Ensuite, affectation du résultat 2020. Ensuite, fixation de la cotisation AMU 2021. Puis, approbation du bilan et compte de résultat 2020 format BNB. Voilà. OK, pour EC. Oui, pour nous. François, tu n'as pas entendu. Oui, pour l'UC aussi. OK. Bon, ben voilà, on a fini avec les intercommunales. Je passe au point 22, le dernier. Il n'y a pas de huis clos aujourd'hui. Donc, tout part d'un mail que j'ai ici sous les yeux et qui a été envoyé le 7 mai à 20h39 par le bourgmestre de Hamoir, Patrick Le Cerf. Je vous lis in extenso le mail. J'en ai plus que marre de l'immobilisme des autorités wallonnes à propos du dossier de consigne des canettes et autres contenants. Si un sujet peut rassembler une énorme majorité de Wallons, c'est bien celui-là. J'ai été au Parlement durant 4 années, on en a parlé durant 4 années, avec comme conclusion que la grande distribution, grâce à un lobbying très puissant et bien mené, a obtenu qu'on lance des expériences pilotes alors que des visites parlementaires avaient été voir en Allemagne et aux Pays-Bas, où cela fonctionne très bien, non seulement pour les canettes, mais aussi pour les bouteilles en verre ou en plastique. Nos accotements, nos champs, nos rivières sont jonchés de ces déchets et nous avons le culot d'envoyer les enfants de nos écoles, de nos troupes scouts ou pas trop, pour les ramasser à la place des inciviques qui les jettent sans vergogne dans la nature. Je propose que nous, hommes et femmes de terrain, représentants de la seule institution à laquelle croit encore la population, nous nous mobilisions pour réveiller ce Parlement endormi par les beaux discours et les quelques euros des lobbyistes sans autre intérêt que le profit facile et irresponsable. Si comme moi vous avez envie d'agir en vue de faire bouger les choses, faites-moi signe et nous envisagerons ensemble une action ferme et efficace. En espérant que nous saurons nous mobiliser afin de faire disparaître ce fléau, je vous remercie de votre attention, de l'intérêt que vous porterez à ce problème et je vous souhaite un excellent week-end en terrasse et sans plexiglas. Nous étions le 7 mai. Je dois vous dire que ça a été une rafale de réponses positives de tous les bourgmestres wallons. Je n'ai pas fait le relevé exact du nombre, mais en tout cas, une grosse majorité a répondu. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tous les termes de la lettre, du mail, mais il faut quand même bien admettre que dans notre commune comme dans les autres, c'est un problème dont on parle sur Facebook, dont on parle dans les associations, dont on parle au collège, dont on a parlé au conseil, et c'est un problème qui nous révulse un peu tous. Il est bien clair que c'est une minorité de la population qui porte de cette façon, mais c'est quand même toute la population qui en subit les conséquences, sans compter qu'on doit payer des ouvriers, et heureusement qu'on en trouve pour ramasser toutes ces crasses. Alors, moi je propose une motion qui s'appelle adhésion à l'Alliance de la consigne, vu les articles, je vais vous la lire, elle n'est pas très longue, vu les articles L1122-24 et L411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la problématique des déchets sauvages est un véritable fléau pour notre commune, comme pour de nombreuses autres, que la plupart de ces déchets jonchant le bord des routes, chemins et sentiers sont des canettes et des bouteilles en plastique, vu qu'il est de notre responsabilité d'agir en tant qu'autorité publique pour lutter efficacement contre ces nuisances environnementales mais aussi visuelles, considérant les limites de la Terre, considérant les désagréments liés à la problématique des déchets sauvages, considérant que la propreté publique est principalement une compétence du niveau communal avec l'appui des autres niveaux de pouvoir, considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables de plus ou moins 40% du volume des déchets que l'on retrouve dans la nature,
considérant les moyens importants déjà déployés par la commune de Hotton pour lutter contre la problématique des déchets sauvages, considérant que les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger pour les animaux, considérant qu'une réflexion est actuellement en cours au sein de la région wallonne, considérant que le système de consigne sur les canettes et bouteilles permettra d'améliorer la propreté publique, de limiter l'impact sur l'environnement et la santé des animaux et de favoriser une économie circulaire, considérant que le système fonctionne déjà dans 39 pays et régions du monde, considérant que les partenaires de l'Alliance pour la consigne Strategie Geld Alliance veulent une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et les canettes dans les rues, les bords de route, les plages, les rivières et les mers, et une solution équitable et honnête qui enlève les coûts des citoyens et communes et rend les producteurs davantage responsables pour les déchets. 3. Un modèle de gestion des matières premières qui est véritablement circulaire. Que l'Alliance pour la consigne demande en conséquence au gouvernement des régions belges de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d'introduire le système de consigne pour les canettes de boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique. Considérant qu'aux Pays-Bas et en Belgique, 1075 associations et pouvoirs locaux sont déjà adhérés à l'Alliance pour la consigne. Je ne vais pas vous citer la liste des communes. Décide à Hotton de rejoindre l'Alliance pour la consigne, l'Alliance de la consigne pour marquer le soutien de la commune au projet, de Hotton au projet d'une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Bon, ce n'est pas si simple que ça. Mais enfin, la lettre de Patrick Le Cerf a eu une réaction immédiate, c'est que l'Union des villes et communes s'est réunie la semaine dernière, et elle a envoyé un rapport. Malheureusement, je l'ai reçu hier et je n'ai pas eu le temps de l'approfondir. De même, Idelux s'est réuni et a planché sur le sujet et a envoyé rapport aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. Mais en tout cas, en gros, les arguments contre relèvent du fait qu'on a introduit récemment un nouveau système de ramassage dans les sacs bleus et que les canettes et plastiques devraient normalement aller dans ces sacs et constituent un apport de matière première pour la société qui ramasse et qui va les valoriser. C'est évidemment une remarque. Première remarque pertinente. Deuxième remarque pertinente, c'est que si on mène une action, elle ne doit pas retomber sur le dos de nos commerçants, de nos indépendants et de nos moyennes surfaces. Je pense qu'ils ont déjà assez de soucis comme ça, assez de travail. Il faut trouver une solution qui n'encombre pas l'arrière de leur magasin ou leur parking avec des déchets. Je crois que là, il faudra aussi qu'on ait de l'imagination et qu'on trouve une solution. Et enfin, il y a une remarque qui est aussi pertinente, c'est qu'en créant les consignes, on fait payer aussi bien les gens qui sont les bons trieurs que les mauvais clients. C'est exact. Maintenant, si on est solidaire, pour quelques cents, on peut quand même essayer de régler ce problème-là parce que je pense que nos campagnes, nos villes, nos plages, nos rivières ne méritent vraiment pas le sort qui leur est réservé. Voilà en gros mon avis. J'ai démarré ça parce que j'ai été interpellé par le courrier du bourgmestre Le Cerf et je n'ai évidemment pas été le seul. Et maintenant, je pense que Jean-François et Simon pour le durable et Jean-François pour l'environnemental vont peut-être avoir un commentaire à faire, même si on n'est pas encore au bout de la réflexion et du tunnel. Peut-être que Simon a une petite explication sur la façon dont ça se passe dans d'autres pays. Jean-François, vas-y. Juste un petit mot, merci pour la motion que tu nous as proposée, parce qu'on n'avait pas reçu le mail, ça c'est partagé entre bourgmestres, ce qui est normal. Il y a encore beaucoup de questions qui s'est posées chez Idelux, et je les comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'immobilisme des hautes instances, et je ne veux pas les critiquer, parce que ce n'est pas facile d'être mandataire, ministre, ni même échevin, ni même conseiller communal maintenant, mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des analyses qui vont arriver il y a déjà quelques mois, voire quelques années, qui ne sont jamais arrivées par rapport à des communes pilotes. Je parle pour le recyclage des canettes, les consignes en tous les cas.
Enfin voilà, ça je me pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Maintenant, le pollueur-payeur, je suis d'accord aussi. Maintenant, faire payer, comme dit Jean, les commerces, pardon pour le chat, les commerces ou les citoyens, ce n'est pas un bon message non plus. Mais qui dit pollueur-payeur, moi je pense à un moment donné qu'on devrait y passer comme on paye nos casiers de certains de dos, par exemple, ils sont cautionnés. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner aussi? En tout cas, ce que je sais, si ça ne marche pas, c'est qu'au moins, on aura posé la question, parce que je pense que qui ici n'est pas interpellé, tout le monde nous demande pourquoi les consignes, les canettes ne sont pas consignées, ce n'est pas normal, ça marche en Allemagne. Au moins, si c'est négatif, on aura une réponse à apporter. C'est le début à l'édifice, c'est la première pierre de l'édifice, on aura une réponse et il faudra partir sur autre chose. Mais il faut accélérer la procédure. L'essentiel et l'important, c'est d'agir parce que le fléau des crasses au bord de la route, c'est pour moi, ça doit être terminé. Un autre commentaire? Oui, moi. Oui, toi, ton micro, vas-y. Voilà, j'ai eu quelques soucis de micro et de vidéo, j'espère que ça va aller. Je pense vraiment que ce débat, il est crucial et il est mené dans d'autres assemblées et il est nommé aussi dans une intercommunale comme idée luxe. Je suis un peu étonné d'ailleurs de la position de M. Dewey, qui a voté il n'y a pas tellement longtemps, les sacs qui vont être mis d'application avec le ramassage des PMC à domicile au mois d'octobre, novembre prochain. Donc voilà, c'est un peu contradictoire par rapport à ces choix qui ont été faits, notamment par lui. En tout cas, il y a vraiment un besoin d'objectivation pour ne pas valider a priori ce qui pourrait paraître une fausse bonne idée. Alors, je sais que c'est dans l'air du temps de dire « oui, il faut consigner les canettes ». C'est évidemment quelque chose d'autrement sympathique, qui est facile à expliquer, qui passe bien dans la population, mais quand on gratte un petit peu, ça présente d'énormes difficultés et je crois qu'il faut se poser les bonnes questions pour ne pas de nouveau, entre guillemets, pigeonner le citoyen. Alors, pour notre groupe, si cette mesure est mise en place, elle doit être nationale afin d'éviter entre les régions, les effets frontières que l'on connaîtra et qu'on connaît déjà chez nous, et on les connaîtra de manière plus amplifiée, puisque si j'achète mes boissons en France ou au Luxembourg, quid de la consigne? Il y a quand même pas mal de frontaliers dans notre province. Comment est-ce qu'on va les rembourser? En bon d'achat, c'est ce qui est fait en Allemagne, en cash, qui va prendre en charge le coût de la logistique? Ici, la réponse est évidemment simple pour le coup. C'est le citoyen, en définitive, c'est le consommateur qui va le payer. Il aura l'impression d'y gagner en récupérant peut-être une petite consigne de quelques cents, mais le coût du produit hors consigne va évidemment augmenter, non seulement pour couvrir la consigne, mais aussi tous les coûts afférents à la collecte. Quel sera l'impact sur les sacs PMC? Je viens de l'indiquer, et les investissements. Idelux a fait le choix d'investir lourdement après des expériences pilotes en Luxembourg, mais aussi partout en Wallonie. Et c'est une mesure qui va être généralisée sur l'ensemble de la Wallonie, ce sac PMC. Alors, c'est aujourd'hui Fosse Plus qui finance évidemment entièrement cette collecte et ce tri au prix réel. Si demain on sort un flux ou deux flux, parce que si on consigne les canettes, pourquoi pas les bouteilles en plastique, parce qu'il y a aussi des bouteilles en plastique le long des routes. Donc, il faudra évidemment toujours une collecte. Cette dernière continuera tout de même à devoir être assurée partiellement, cette collecte, pour les autres matières. Mais donc, les kilomètres sont les mêmes, qu'on ramasse un peu ou pas beaucoup dans le cadre des collectes, mais les volumes seront moindres et donc, entre guillemets, la rentabilité également. Ça engendrera un coût pour les communes, pour le citoyen, il faut le rappeler. Ça voudra donc dire que Fosse Plus devra financer cette collecte et la consigne. Ça va évidemment automatiquement, comme je le disais, augmenter le coût du prix des produits et le coût des déchets au niveau d'une commune comme la nôtre. Alors, quid du stockage des canettes à domicile? Quid de leur état? Pour les mettre dans la machine à consigne, elles doivent rester entières, elles doivent être écrasées. Si elles sont vieilles et rouillies, si elles contiennent encore un petit peu du liquide, si c'est un calcul qui se fait au poids, comment est-ce que ça va marcher? On m'a dit qu'il y avait d'énormes difficultés par rapport à ce genre d'appareillage dans certains pays parce qu'il fallait que la canette soit dimensionnée d'une manière adéquate pour pouvoir être introduite dans la machine. Alors, où va-t-on placer ces machines de récupération de canettes? Dans les grands magasins, ceux qui vendent des canettes, oui. Et les stations-service où on vend beaucoup de canettes vont devoir avoir ce type de dispositif. Et les night shops, vous allez prévoir aussi ce type de dispositif. Où va-t-on installer des appareils de récupération un peu partout, comme par exemple pour les bulles à verre, où on met des bulles à verre un peu partout? Est-ce qu'on va voir fleurir des dispositifs? Mais là, ils ne seront pas souterrains, ils seront bien apparents, peut-être bien inesthétiques,
pour pouvoir récolter ces canettes. Alors, est-ce qu'une consigne de quelques cents va dissuader également les pollueurs qui jettent leurs canettes par la fenêtre de la voiture? Est-ce que vous pensez sincèrement que les quelques cents vont fondamentalement changer les choses? Moi, j'y mets des doutes. Il y a quelques études en la matière, mais elles sont contradictoires. Je vais prendre un exemple concret. Certaines communes ont lancé aussi des filets le long des routes ou des grandes routes pour lancer sa canette, pour essayer de les concentrer à un endroit. On a cessé ça immédiatement. Je parlais avec un bourgmestre du Brabant wallon il y a quelque temps. On lançait des sacs poubelles, on lançait de tout dans ces filets à canettes. Donc, ce n'était pas non plus un modèle qui était adéquat. Alors, sur la question de la salubrité, je vais bientôt terminer, rassurez-vous. Il faut peut-être plutôt se poser la question d'une certaine forme de désinvestissement au niveau de la région et de certaines communes. Je mesure les efforts que maintenant on essaye de faire à Auton dans le cadre de l'entretien des abords des routes. Mais ça n'a pas toujours été le cas, me semble-t-il. Et la région a peut-être un déficit aussi à la matière. Je brosse devant ma porte comme élu régional. On cite souvent d'ailleurs les abords des routes au Grand-Duché. On prend toujours ça en exemple, c'est plus propre. Oui, mais là, je vous assure, il y a des ramassages fréquents qui sont organisés par les communes. C'est beaucoup plus strict, sans doute, au niveau de la répression. Et ça, c'est un des volets aussi. Mais il y a aussi un travail de fond qui est fait, notamment par les communes. Est-ce vraiment la bonne solution de remplacer service public, qui est d'ailleurs souvent aussi effectué par des entreprises à finalité sociale, qui, grâce à ça, permettent de remettre à l'emploi certaines personnes, et transformer ça en ramassage par des FDF ou des retraités ou des jeunes à la chasse aux canettes, un peu à la façon des USA? Avec quel succès? Il n'est pas démontré que ce système fait en sorte qu'il y ait moins de canettes dans la rue. Les taux de captage de canettes en Belgique sont nettement supérieurs à la plupart des pays européens et par rapport au monde, n'en parlons même pas, par rapport aux États-Unis non plus. Voilà, le sujet mérite une réflexion approfondie, mais il ne faut pas donner l'image d'une problématique qui peut se régler avec la simplicité en disant « il n'y a qu'à, on prend une consigne, une décision et le problème est réglé ». C'est beaucoup plus complexe que ça, et d'ailleurs le bourgmestre l'a également indiqué. Des expériences pilotes sont en cours en Wallonie pour le moment. Vous savez que la ministre de l'Environnement est du Parti écologiste, donc on ne peut pas, certainement quand même pas, qualifier les écolos de pas attentifs à ce type de problématique. Et les expériences pilotes vont justement essayer de démontrer, puisqu'elles sont en cours, comment on peut organiser un système de prime de retour. Les résultats sont attendus pour le second semestre 2021. Je pense qu'il serait donc plus prudent d'attendre les résultats des expériences pilotes pour pouvoir choisir le système idéal pour le citoyen et pour l'environnement. Donc la précipitation n'est pas bonne conseillère, me semble-t-il. Et la décision qui a été prise par les 44 communes, c'est pour ça qu'on vote aussi les assemblées générales, c'est parce que c'est un genre de rencontre qu'on discute, qu'on pose des questions. Et le système qui a été lancé, notamment par Idelux, mais aussi sur toute la Wallonie, de ramassage à domicile, donne comme résultat, d'après les expériences pilotes, un ramassage de plus de PMC, donc de plus de canettes. Donc automatiquement, le résultat doit être meilleur aussi. Et donc je crois que foncer tête baissée et crier au loup n'est peut-être pas la bonne formule, ni pour le coût du citoyen, ni pour le portefeuille du citoyen, ni même pour l'environnement. Donc voilà pourquoi notre groupe H12O, en comprenant la problématique, en essayant de trouver des solutions, et on est touché par ça, vous l'avez sans doute remarqué, nous allons régulièrement, comme citoyens autonais, ramasser le long des routes les canettes et bien d'autres choses, malheureusement, qu'on trouve, parce que les canettes, ce n'est pas que ça qui traîne dans l'ensemble, je dirais, de nos fossés le long des routes. Il y a d'autres choses. Et donc, on voudrait aussi que le problème se règle. Mais je pense ici que l'idée n'est peut-être pas la solution optimale. Et donc, on doit poursuivre le travail. Et c'est pour ça ici qu'on va s'abstenir. Et c'est non pas, comme vous l'avez dit tantôt pour un autre point, un refus, que du contraire. C'est une volonté de trouver une solution, mais dans le cadre de la responsabilité qui est la nôtre, de l'information et de l'objectivation des choses. Ici, on agit dans l'émotionnel. Moi, je voudrais bien agir dans l'efficacité. Je vous remercie. Juste un petit mot par rapport au conseil d'administration. Ce n'était pas un point de vote, c'était un point de discussion. Donc, tu as fait un résumé de 10 minutes. C'est à peu près le temps qu'on en a parlé au conseil d'administration de Idelux Environnement. Mais c'est une multitude de questions. J'ai dit, je ne les ai pas détaillées comme tu l'as fait maintenant. C'est une multitude de questions. Moi, je reste persuadé que on se regarde, on attend, mais ça fait 3, 4, 5 ans qu'on attend. À un moment donné, on propose quelque chose. Si c'est mal, si ce n'est pas accepté, parce que pour telle et telle raison dont tu viens citer,
je serais tout à fait d'accord s'ils proposent quelque chose de mieux et de moins coûteux, surtout pour les citoyens et les commerces. Mais voilà, pour moi, il faut la voter, il faut continuer la pression, parce que comme dit Jacques, ça a eu beaucoup de succès, et quelque part, ça met la pression sur le gouvernement wallon, qu'on soit écolo ou n'importe quelle autre partie, ce n'est pas une critique, c'est en tout cas essayer de remuer le cocotier, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. C'est bien sympathique ce que tu dis, Jean-François, mais pourquoi as-tu voté alors les 5 PMC d'application dans ta commune? Tu nous l'as vendu, tu nous l'as expliqué, ici au conseil communal, tu l'as voté avec des luxes, et maintenant tu remets en cause quelque part le système que tu as décidé. Je ne remets pas en cause l'application. Donc moi, je ne comprends pas la cohérence de tes propos. Sincèrement, non, je ne remets pas en cause. Attention, parce que la casquette d'administrateur ne peut pas être cumulée à la casquette de conseiller communal. Hein. Quand on est administrateur, tu sais bien qu'on... On défaut la commune. Donc et tu n'étais pas d'accord avec ce système d'idée luxe, c'est ça que tu nous dis? Si, j'étais d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même interpeller, et je l'ai fait au conseil d'administration, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous dites de la pétition de M. Le Serre? Et comme toi, ils ont parlé pendant 10 minutes de mille et une questions du rapport d'idée luxe que je viens de découvrir en même temps que Jacques. Et ben voilà, j'attends des réponses concrètes ou d'autres solutions. Mais pour moi, la motion vaut la peine d'être déposée et d'être envoyée. D'accord. Donc, la question, monsieur le bourgmestre, que je pose à Richel de l'Environnement, est-ce qu'il remet en question le nouveau système qu'il a voté avec des luxes qui va commencer au mois d'octobre, le ramassage dans les sacs bleus transparents des PMC? Je vais vous répondre. Jean-François a voté une évolution qui a été voulue par l'ensemble des bourgmestres dans le traitement des déchets à domicile. Hein. C'est clair et net, c'est ça. Mais cette évolution n'empêche pas de chercher d'autres solutions pour ce que tout le monde considère comme un fléau, et tout le monde en souffre visuellement et parfois d'autres façons. On ne parle pas des animaux et des vaches qui doivent subir des traitements pour avoir ingurgité des choses abominables. Et je suis convaincu que si on se met à table, et l'Union des villes et communes a réagi très vite, hein, je pense que c'est un très bon signe, ça. Elle a quand même senti qu'il y avait vraiment une volonté d'en bas, des gens d'en bas, c'est nous ce qui sommes sur le terrain, volonté des gens d'en bas de dire arrêtez de nous faire croire que vos tests pilotes n'ont pas donné de résultats ou qu'on ne peut pas les publier. Où sont-ils ces résultats? On ne les donne pas. Si on ne les donne pas, c'est que quelque part, peut-être, ça dérange. Ça dérange qui? Ça dérange le lobbying, des grosses machines industrielles, etc. Ben moi, je ne suis pas d'accord et je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver une solution sans imposer, j'insiste là-dessus, sans imposer. Il y a moyen de trouver des solutions. Qui veut, peut. Et je suis certain qu'avec la volonté des bourgmestres, la détermination, ça bougera. Voilà. On peut clôturer. Est-ce que vous êtes d'accord avec la motion? Passe au vote. Bien, comme... Oui, on passe au vote. Et donc, c'est abstention pour nous. Cindy, abstention. Catherine, abstention. Marc, abstention. Catherine, abstention. Philippe, abstention. Pas si c'est bon. Je vote oui, et tant mieux, car au moins le point est sur la table et ça va faire bouger les choses. Vouloir, c'est pouvoir, et ne rien dire, ça ne va pas permettre d'avancer. Donc, oui, certainement. Oui, aussi pour Benoît. Aussi pour Raphaël. Oui, certainement. Oui, pour Laura également. C'est une solution parmi d'autres qui mérite évidemment sa chance. Donc voilà, il ne faut pas la tuer dans l'œuf. Et je pense qu'il faut voter pour cette motion. Juste petite question pratique par rapport à la question qui avait été soulevée par Philippe Coureur. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas une norme de format ou autre chose. C'est basé sur la lecture d'un code-barre. Donc, il faut juste que le code-barre soit lisible pour pouvoir récupérer le contenant. Sinon, c'est oui. François, oui. Et Jacques, oui. Eh bien, voilà, messieurs. Bonne nuit. Hein, il est 21h. On va pouvoir aller se reposer. C'était un bon conseil et je vous remercie. Je pense que le soleil a fait du bien à tout le monde et j'espère qu'il va encore rester longtemps. Mais n'oubliez pas de vous protéger quand même parce que tape fort.
Ceux qui sont un peu chevelus en savent quelque chose. Voilà, bonne soirée à tous. Et moi, j'aurais quand même une petite question d'actualité, si je peux, pardon. Oui. Oui, voilà. Ben, c'est la même que le mois précédent. En fait, voilà, je voulais savoir où... Donc, elle n'est plus d'actualité. Allez, terminé. Si, 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 c'est les travaux. Je voudrais savoir. Mais non, elle n'est plus d'actualité, si c'est la même. Mais j'attends. Arrêtez quand même. Faut arrêter. Est-ce que je peux demander à M. Ponsard? Mais moi, je peux dire non. Je peux dire non. Vous pouvez poser vos questions par écrit et les soumettre par la voie légale par écrit. Pour moi, la situation, le conseil est clôturé et j'ai le droit de clôturer le conseil. C'est mon rôle et le conseil est clôturé. Eh bien, nous sommes en dictature, carrément. Il est terminé. J'en avais une d'actualité, moi, monsieur. Il faut arrêter vos singeries. Vous venez tout le temps avec des questions d'actualité et c'est des redites. Fini. Maintenant, vous les faites par écrit. Vous pouviez le faire il y a 8 jours. Voilà, bon, c'est terminé pour moi. Les questions d'actualité ne sont pas prévues. Je vous salue tous, la séance est levée. Merci. Peut, monsieur le bourgmestre, on a des questions d'actualité. Vous refusez de les traiter. Bonne soirée à tous. Nous avons des questions d'actualité. Catherine, une question d'enregistrement. C'est vraiment d'actualité, moi, si je peux. Ah ben non, je ne peux pas, voilà. Suppose-la. Il faudra bien garder l'enregistrement, le transmettre à la tutelle. C'est une preuve évidente du non-respect de la loi. Nous n'avons pas été autorisés à poser les questions. Je veux que ce soit consigné dans le conseil, dans le résumé que Madame De Wey en fera, et on en fera référence à la tutelle. Ce n'est pas acceptable que le bourgmestre ne nous permette pas, qu'il ne valide pas une question à un moment donné s'il estime que ce n'est pas d'actualité, mais ici, on n'a même pas pu la déposer, on n'a même pas pu en parler. Ce n'est vraiment pas normal. C'est tout à fait honteux et scandaleux de sa part. C'est vraiment un dictateur. Et il a même quitté la séance, non? Je poserai donc ma question par mail. Bah, pose ta question, ouais. Catherine. Mais il écoutera l'enregistrement. Non, tout le monde n'est plus là, donc. Mais il écoutera l'enregistrement. On ne va pas poser la question puisque le bourgmestre a quitté. Mais ici, je souhaite que ce soit acté, que tout le monde est resté sauf le bourgmestre. Et donc, on ne va pas poser sa question. Sauf si le premier échevin qui fait fonction de bourgmestre, puisqu'effectivement, le bourgmestre est parti, souhaite qu'on fasse les questions. Excusez-moi, la séance a été levée. Elle ne peut être qu'ouverte. OK, d'accord. Merci. Voilà. Nous allons bien conserver, je dirais, la bande pour pouvoir démontrer, comme si on ne jouera plus à une minute, on est parti, on n'est pas parti. Hein. C'est lui qui est parti et qui a clôturé, qui nous a empêchés de nous exprimer. C'est vraiment pas démocratique. Merci à toutes et à tous et bonne soirée aussi. Bonne soirée. 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 Et bonne nuit. Et pour ceux qui l'ont oublié, n'oubliez pas le ramassage papier carton demain matin. Oui, merci Simon. Merci pour le rappel. J'ai transmis sur Facebook moi l'info. Si je regarde bien, il ne reste plus que Laura, Jean-François, Martine, Marie-France, mais Martine, mets ton micro.